Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass de la Fédération française des échecs. C'est celle de niveau débutant et intermédiaire. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà sur le chat. On rappelle que chaque lundi soir, il y a cette masterclass de niveau débutant intermédiaire. Et puis le vendredi soir, c'est celle de niveau entre guillemets avancé. Cette semaine, vous retrouverez la multiple championne de France, Sophie Millier, vendredi soir. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu d'échecs, n'hésitez pas à aller les apprendre avec les petites vidéos dynamiques qui sont en ligne dans la description. Voilà, donc vous descendez dans la description et en bas, vous mettez plus et vous avez règles du jeu. Ce soir, notre invité a le titre de maître international. Il est entraîneur depuis plus de 10 ans. D'abord en Aquitaine, du côté de Bordeaux, avec le club de Las Pommes, et depuis plusieurs années à Châlons en Champagne. Il a été entraîneur en équipe de France jeune en 2018. Il s'agit d'Antoine Favarel. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Alors, il y a déjà beaucoup de monde sur le chat. On salue Thibaut qui était déjà là la semaine dernière avec Romu. Robert du Kremlin-Bicêtre, du club du Kremlin-Bicêtre, Julien, Olivier, Anne, Lilia, Alix, Romaric, Samir. Voilà, on voit que vous êtes au rendez-vous. Donc la fédération est heureuse de continuer à vous proposer du contenu échiquéen pour progresser dans cette période particulière du confinement. On espère que tout le monde se porte bien. Je vois déjà quelques élèves qui arrivent. D'accord, tes élèves arrivent en force. Quelques-uns, ouais. Alors, au programme de la soirée, donc, voici le menu du soir. Donc, présentation de l'invité, présentation d'Antoine, c'est déjà fait. Ensuite, pour commencer cette masterclass à destination des joueurs les plus novices, quelques notions élémentaires. Hein. La semaine dernière, j'avais fait un rappel de la valeur des pièces. Donc c'est assez court, quelques notions pour bien commencer. Trois chapitres au programme. Le premier chapitre sur l'avant-poste. Donc de la stratégie, comment placer ses pièces et puis cette fameuse articulation entre les pions et les pièces, très importante. Aux échecs. Bonsoir à Stéphane sur le chat, à Lionel de Saint-Pierre-de-la-Réunion, à Maître Pierre. Et d'ailleurs, avant de poursuivre dans le sommaire, un rappel important. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est la masterclass de niveau débutant et intermédiaire. Donc, pour ceux qui veulent avoir des indications en termes de tranche Elo, c'est à peu près la tranche entre 800 et 1500 Elo. Hein. Donc si vous êtes plus que 1500 Elo, évitez de trop intervenir sur le chat. C'est dommage pour les joueurs qui sont moins forts hein, et qui sont justement le public préférentiel de cette masterclass. Donc évitez de balancer les réponses comme ça à toute vitesse si vous êtes un joueur nettement plus expérimenté ou nettement plus fort. C'est un peu dommage pour les autres. Voilà, donc... Essayez de leur laisser un peu des parts du gâteau. Alors, je reviens sur le sommaire. Alors, où sommes-nous? Voilà. Donc, le deuxième chapitre, on verra plein de maths. On aime bien voir des maths aux échecs. C'est quand même le but du jeu, faire échecs et maths. Donc, plein de tableaux de maths. Alors, spécial cavalier. Donc, il y aura toujours un cavalier dans l'histoire. Parfois il sera aidé bien sûr d'autres pièces hein, parce que tout seul quand même c'est un peu dur de faire un mat même si c'est possible et puis on terminera avec un chapitre très sympathique sur la prophylaxie et on avait déjà un petit peu parlé de prophylaxie la semaine dernière avec Romuald de la Baca aussi bien d'ailleurs quand on attaque que en finale et bien de nouveau Antoine vous parlera de la prophylaxie sur le même thème que le premier chapitre donc vous ne serez pas perdu. C'est directement relié, c'est toujours sur le thème de l'avant-poste. Voilà. On salue Lisa, une autre habituée des lundis soirs. Donc Romaric qui nous dit que ça va beaucoup tourner sur le cavalier ce soir, avec les thèmes sur l'avant-poste et le mat avec le cavalier. Tout à fait, le cavalier qui va être la star de cette soirée. Immersion totale. Et on terminera avec un petit question-réponse. Voilà, si vous avez des questions
a posé à Antoine sur la fin de soirée, sur le coup de 22h30 à peu près. Ce sera l'occasion. Alors qu'il y a Salut Maxime. Maxime, ouais, Maxime qui te salue. Et c'est parti, donc, avec la mini-introduction, des petits conseils pour bien commencer aux échecs. Donc je rappelle que si vous ne connaissez pas les règles, n'hésite pas à les apprendre avec le lien qui est dans la description. Vous cliquez sur le plus et vous avez des petites vidéos très courtes pour apprendre tout ça. J'active l'échiquier et l'en-tête. Voilà. Alors le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est combien, bah, le cavalier, on a dit c'est la star de la soirée, combien de cases un cavalier contrôle-t-il selon son positionnement sur l'échiquier? Donc très important de savoir ça. Donc dans toute la zone qui est les 16 cases au milieu de l'échiquier, hein, l'échiquier on sait que c'est 64 cases, donc sur les 16 cases au centre, le cavalier contrôle 8 cases, c'est là où il peut le mieux exprimer sa force, sa puissance. Donc, alors, petite question déjà de chevalier, Antoine, ça commence fort. Est-ce que les avant-postes, c'est seulement pour un cavalier? Alors ça, c'est souvent intéressant. Les avant-postes, ce n'est pas forcément que pour les cavaliers, mais c'est souvent les cavaliers qui en tirent le plus gros avantage, parce que les cases comme les avant-postes, c'est des cases utiles pour les cavaliers, parce que les cavaliers sont des pièces à courte portée. Donc d'autres pièces peuvent bien sûr les utiliser, mais on va dire statistiquement, c'est plus intéressant pour un cavalier de s'y installer. Ouais, c'est son rôle préférentiel sur un avant-poste. C'est ce qu'il recherche. Les autres pièces, elles ont d'autres possibilités. Elles ne sont pas forcément en train de chercher l'avant-poste, quoi. Ouais. Donc, bien sûr, les 4 cases du centre, vous en avez sans doute souvent entendu parler. C'est les cases préférentielles pour le cavalier. Alors, à noter que l'année dernière, avec Marc, on avait fait un chapitre sur le cavalier en 6e rangée. Donc, voilà, par exemple, si les blancs arrivent à atteindre cette zone avec le cavalier. Très intéressant, évidemment. Il y aura quelques petits exemples où ce sera le cas ce soir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt dur. Et déjà, si on arrive sur la cinquième, on n'est pas mécontent. Voilà. Alors, donc ces cavaliers, regardez, ils contrôlent 8 cases parce qu'ils sont soit dans le centre, soit juste à côté du centre. Donc le centre, c'est les 4 cases du centre. Et regardez ce cavalier qui vise 8 cases tout comme son collègue à côté. Alors que le cavalier noir qui n'est plus à côté du centre. Et oui, il touche pas le centre. Le centre, il est là. Eh bien, il en vise que 6. Donc, dommage pour lui. Il a perdu un contrôle. Il a perdu 2 cases en termes de contrôle. Et alors, bien sûr, la pire situation pour un cavalier, c'est dans le coin, puisqu'il vise seulement 2 cases. Donc, il a perdu 4 fois. Il vise 4 fois moins de cases qu'au centre. Ah, on nous dit que le micro est un peu fort du côté d'Antoine. Merci pour le retour son. Je vais baisser un petit peu. Donc, ah, oui, j'avais boosté. Exact. J'avais Ouais. carrément boosté ce micro. Donc, je vais Je pensais que c'est parce que j'avais une voix lourde, mais non, C'est c'est pas ça possible du tout. aussi, mais ça vient plutôt du réglage. Ouais, ok. Voilà, j'ai un peu baissé. Normalement, ça Merci. doit être beaucoup mieux. Vous nous dites, hein, n'hésitez pas à faire des remarques tout au long de la soirée. Je continue mon super coloriage. Ah, bah non, il est terminé. Voilà. Donc, tous les cavaliers qui Ah. visent de moins en moins de cases. Plus fort! Alors, est-ce que c'est pour celui de. Non, là, je pense que c'est bon, non? N'hésitez pas à monter le volume chez vous, mais là je pense qu'on est pas Ouais. mal. Je sais pas si Jean-Pierre parlait plutôt de mon micro ou de celui Le micro est top. de celui De d'Antoine. ta côté, ouais. Voilà, alors on va en parler. Voilà, justement pour cette petite introduction, alors maintenant on va parler Mmh. des fous quand même. Le cavalier n'est pas la seule pièce du jeu. Donc regardez, un fou qui est au centre, il vise 13 cases. Donc c'est son maximum. Un fou ne peut pas viser plus que 13 cases sur un échiquier. S'il est dans le centre, s'il est à côté du centre, comme celui en C4, il en vise 2 de moins, il en vise seulement 11. Donc déjà, il a perdu un peu de force juste parce qu'il s'est éloigné d'une case du centre. Et s'il est à 2 cases du centre, il en vise que 9, encore 2 de moins. Donc il a encore perdu 2 cases. Et s'il est sur le bord, eh bien, il en vise que 7. Voilà, donc c'est un peu de mathématiques, un peu de géométrie. Dès que le fou s'éloigne du centre, il perd 2 cases de contrôle. Alors le fou, il n'y a pas que le nombre de cases qu'on contrôle, même pour toutes les pièces aux échecs, hein, il n'y a pas que le nombre de cases qu'on vise qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on vise. Bien sûr, ça qui nous intéresse spécialement. Des fois, si on vise qu'un seul truc, mais c'est le truc le plus important de la position, eh ben, c'est quand même intéressant. On nous dit que le volume est bon, ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le premier chapitre.
Ouais. De l'avant-poste. Je mets le titre et Antoine, c'est à toi. Ok, très bien. Merci Sylvain. Donc, dans un premier temps, c'est important de comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle d'avant-poste. Donc, l'avant-poste, c'est une case qui ne peut plus être contrôlée par un pion adverse. D'accord? C'est une case avancée. On le voit, la case E5 est vers l'avant, d'où le terme d'avant-poste, et elle ne peut plus être contrôlée par un pion noir. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le cavalier ne pourra s'installer, on va dire, durablement sur cette case et exercer une pression, voilà, une pression longue sur la position adverse. Donc, ça, c'est essentiel. Ici, en plus, on a un exemple assez parlant où il lutte contre un fou misérable qui, juste, ne peut pas contrôler la case E5. Ça, c'est essentiel. Nous le reverrons un peu plus tard également. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. C'est vrai qu'il est seulement 20h37. On commence à peine le premier chapitre. Vous n'avez rien manqué. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez un petit bouton pour partager juste en dessous et à mettre un pouce vers le haut. Certains finissent de manger, probablement aussi, peut-être. Tout à fait. Donc, situation idéale pour un cavalier, voilà, personne ne peut l'enlever de cette case d'avant-poste. Donc c'est ça une case d'avant-poste, c'est surtout quand il n'y a aucun pion qui peut l'enlever. Position suivante. Ouais. Je regarde, c'est un petit peu. Alors, donc, c'est important de comprendre les raisons pour lesquelles le cavalier a tout intérêt à chercher ce type de case. Donc, déjà, un des premiers points importants à souligner, c'est que ce cavalier, il a un certain avantage, c'est qu'il va paralyser un petit peu le jeu de l'adversaire. On remarque que la tour B6 noire, qui est censée valoir plus qu'un cavalier, elle est censée valoir 5 points théoriquement contre 3 au niveau du cavalier, elle est liée à la défense du pion A6. Donc c'est quand même une tâche un peu pénible pour une tour censée être puissante de défendre ce pion à cause du placement du cavalier, dans un premier temps. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'en ce qui concerne la dame noire, si cette dame venait à avoir des intentions agressives en s'installant par exemple sur la case H4, ben, le cavalier aurait tout de suite une tactique disponible en venant en D7. Une fourchette. La fourchette étant le thème tactique de prédilection du cavalier, on va dire. Donc ça, c'est important. Ce qui fait que si les noirs sont vigilants, bah, ils évitent la fourchette, mais ils sont un peu limités dans leur déplacement. Et si votre adversaire n'est pas vigilant, justement, il peut très facilement prendre une tactique. Donc ça, on va en reparler aussi juste après. Donc ce cavalier a un côté paralysant et, comment dire, il immobilise un petit peu certaines pièces et restreint leurs possibilités. Très bien, peut-être la position suivante. Ouais. Donc, justement, au niveau de cette position, c'est intéressant parce que le cavalier est à l'honneur au niveau des thèmes tactiques, des thèmes de maths, des thèmes de combinaison. Le cavalier étant une pièce à courte portée, le fait de l'avancer dans le camp adverse, il augmente ses chances de combinaison. Ici, on a un très joli thème d'attaque. Il y a plusieurs manières de gagner dans cette position, mais celui que je préfère, c'est quand même le coup assez esthétique, dame G7. Avec dame G7, Alors, je la sais. dame force justement la prise par le fou. Et une Par fois contre. que la dame est mangée, hop, on fait un thème de mat du couloir quelque part. Tour B8, fou F8, obligé. Et après, tour prend Donc, tour F8. C8 d'abord, hop. Oui, tour C8, pardon, fou prend, tour prend tour, pardon, et tour prend fou. Et là, c'est quasiment un mat du couloir et on remercie le cavalier de mater. C'est toujours un petit plaisir de finir avec un peu moins de matériel que l'adversaire, mais quand même de gagner sur l'échiquier en montrant que voilà, on a beau ne plus avoir la dame, tour et cavalier font très bien le boulot ici. Hein. Exactement. Donc, c'était un exemple où on voyait que le cavalier nous permettait de faire carrément un tableau de maths. Et on parlera justement de tableau de maths tout à l'heure. Oui, exactement. Alors maintenant, ben, un des cœurs du sujet, l'avant-poste quand il existe, c'est très bien, mais comment faire quand il n'existe pas encore?
Alors, exactement. Alors, il y a des moments où votre adversaire sera assez sympa pour vous donner des avant-postes, bien sûr, c'est possible, mais aux échecs, on prend toujours en compte que bah, l'adversaire ne va pas nous faciliter la tâche, et du coup, il faudra probablement envisager de créer votre avant-poste pour améliorer vos cavaliers. Si vous améliorez vos cavaliers, on l'a vu précédemment, ça va augmenter vos chances de créer des combinaisons et vous allez gêner votre adversaire. Vous augmentez finalement sa valeur relative, si vous voulez. Au lieu de valoir 3 points, il vaudra un petit peu plus s'il atteint un avant-poste efficace. Donc, première façon ici de créer un avant-poste, c'est d'utiliser un de vos propres pions, justement, pour aller contrôler des cases critiques, des cases déjà affaiblies par l'adversaire. Après le coup E5, les blancs contrôlent les cases D6 et F6, ce qui permet justement d'envisager, après la venue du cavalier en E4, l'installation du cavalier sur ces cases fortes. Alors, bien sûr, pour le moment, la case D6 semble peut-être un peu plus intéressante, parce que la case F6, elle est déjà contrôlée 2 fois par le cavalier noir et le fou. Mais bon, cela, après, ça peut évoluer en fonction de ce que va jouer votre adversaire. Mais la case D6 est tout de suite assez alléchante, on va dire. Alors, au passage, oui, je peux rajouter quelque chose, que en poussant E5, nous affaiblissons la case D5. Mais la case D5 chez les noirs est moins avancée que la case D6 chez les blancs. Ce qui fait qu'on peut se permettre d'aller donner la case D5 alors que nous, on obtient la case D6. Il y a des moments où vous serez obligé de donner quelque chose pour obtenir autre chose en retour. Donc ici, c'est tout à fait acceptable. Ça marche, et je rajoute que si on n'avait pas fait E5, et bien peut-être que les Noirs nous auraient privés du coup E5 en faisant eux-mêmes E5. Et c'est quelque chose qu'on discutera dans le dernier chapitre. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on remarque déjà les idées prophylactiques. C'est qu'un coup comme E5 chez les noirs empêcherait le plan des blancs. Et du coup, les blancs en jouant E5 empêcheraient le plan des noirs. Donc, il y a un peu cette idée-là par la même occasion. Alors, deuxième situation où l'avant-poste n'existe pas encore. Alors, est-ce que dans le chat, vous arrivez à trouver le coup des blancs? Le coup des blancs qui permettrait éventuellement de créer un avant-poste. Alors, petite question pour Team Chess. Team Chess, quel est ton niveau aux échecs? Ça m'intéresse parce que tous les lundis, tu donnes toutes les bonnes réponses. Alors, je te félicite. Mais je serais curieux de connaître ton niveau de jeu. Ça sera peut-être le prochain invité de la masterclass, on verra. Eh oui, 1550, voilà. Ah, juste Donc, au-dessus, juste un c'est peu limite, ouais, c'est limite. Merci pour la réponse. Bien joué en tout cas. Je pense que si tu continues comme ça, tu vas augmenter ton niveau. Alors, Alix qui nous dit cavalier B6. Alors, c'est vrai qu'il y a une arme en poste ici, en B6, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette case, Antoine? Alors, la case B6, théoriquement, comme l'a dit Sylvain en introduction, ça serait une case avancée dans le camp adverse, c'est vrai, mais on perdrait le contrôle de 2 cases sur le côté gauche. Mais ça reste ponctuellement une idée intéressante qui permet de gagner un tempo sur la tour. Il y a déjà un avant-poste ici, mais on peut en créer un nouveau. Alors, il y a Alix qui a une autre idée. Non, c'est pas Alix, c'est Maxime, pardon, qui veut reculer sa tour pour venir sur D6. Oui, exactement. La case D6 est également un avant-poste parce que le cavalier, justement, peut s'y installer après le recul de la tour. La tour est active, mais cette tour pourrait reculer pour aller en D6. En fait, ce qui est assez instructif, c'est que le cavalier qui est en C4, il a déjà accès à de bonnes cases. Et là, l'idée, ça va être de proposer un autre avant-poste pour l'autre cavalier. Mais c'est une très bonne réponse. La case D6 est aussi un avant-poste. Le pion C5 exerce, justement. Un bon contrôle des cases B6 et D6. Alors vous avez bien trouvé la case D6, bien joué, mais en fait on voudrait créer. C'est vrai qu'on a deux cavaliers, donc on aimerait bien avoir un nouvel avant-poste. Oula, mais Ethan, tu t'es trompé de masterclass là. Ouais. Alors, ben, en plus, je crois que personne n'avait donné la bonne réponse. Parce que Alors, c'était déjà plus dur. effectivement, Voilà, donc. c'est vrai. Oui. Alors, si vous regardez Donc, en différé, si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver la ouais. bonne réponse pour les blancs. Et maintenant, on va montrer la bonne réponse. Donc, ici, le bon coup est effectivement le coup H5. En poussant H5, vous allez déstabiliser le pion G6,
qui va être obligé de prendre une décision, soit manger le pion H5, soit avancer en G5, ou encore se laisser manger. Mais dans tous les cas, le pion G6 ne pourra pas être maintenu. Et ce pion contrôlait la case F5. Et il y a un autre avantage à affaiblir une case blanche ici, c'est que quand vous regardez les pièces légères adverses, vous remarquez que les noirs souffrent de l'absence de leur fou de case blanche, rendant la case F5 beaucoup plus fragile, justement. Donc après H5, le coup peut être difficile des fois à trouver dans le sens où ben, on offre un pion, c'est vrai, mais ce pion, une fois mangé, bon, est très faible, pourra être récupéré probablement, mais la case obtenue en F5, justement, compense amplement ce pion. Et ce cavalier, qui était quasiment la seule pièce mal placée, accède tout de suite à une case fantastique. Voilà, alors s'il voit ça, en plus il peut penser que son pion va être très fragile, donc on peut essayer d'aller effectivement le récupérer comme tu disais Antoine avec la tour. Il peut se dire je vais pas prendre, je vais plutôt pousser. Donc, après G5, c'est intéressant parce que on voit souvent ces possibilités-là. Les noirs se disent, oh, pas de problème, je pousse, je ferme un peu la position, tout va bien. Sauf que les blancs, ici, ont une très bonne possibilité, justement, pour utiliser la case F5. Alors, cavalier E3, effectivement, dans le chat, c'est une très bonne réponse. Maintenant, si on prend en compte que le cavalier C4 est très bien placé par rapport à ses possibilités sur la case B6 et D6, comment pourrait-on envisager d'utiliser la case F5 avec le cavalier F3? On va replacer le mauvais cavalier. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps, comme Florival Échec, Gohard. Et bien Alors. joué à Lisa qui avait trouvé le coup H5. Alors Léa, c'est peut-être une bonne idée, mais il faut que tu précises lequel des deux cavaliers peut aller sur D2 et que tu précises la suite de ton idée si possible. Alors, ah, Laura, cavalier E1, C2, E3. Oui, ça fonctionne. Voilà, du côté de Laura, en fait, c'est Maxime et Émilie qui... D'accord, cavalier FD2, ok. Et on inverse les cavaliers aussi, ça peut être possible. Il y a encore un autre chemin qui va être intéressant, ça va être de jouer cavalier H2, effectivement, F1, E3, et on peut encore être plus précis, c'est cavalier H2, G4. Parce que quitte à choisir une case de passage en E3, autant aller en G4, parce qu'en G4, vous mettez plus de pression sur la structure adverse. H6, F6, E5. Alors, des fois, vous pouvez penser que c'est anodin, mais le cavalier, je le rappelle, c'est une pièce à courte portée, donc si vous pouvez le mettre un tout petit peu plus proche de votre adversaire, c'est pas plus mal, parce que des fois, ça fait un peu péter les plombs à vos adversaires qui se disent, mince, il y a le cavalier qui s'approche, j'ai un peu peur, vous le faites un peu psychoter, donc bon, n'hésitez pas à profiter justement de cette occasion-là. Alors Cécile qui proposait Dame B3, c'est vrai que ça menace une découverte, mais le roi peut simplement se décaler et on va pas réussir à améliorer la position d'un cavalier. Voilà pour cet exemple. On continue avec la création d'avant-poste et cette fois, c'est au noir de jouer. Alors si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup des noirs. Et sur le chat, vous pouvez mettre vos réponses si vous êtes dans le niveau de la masterclass, c'est-à-dire débutant intermédiaire. Alors, cavalier C6, non, cavalier C6, ce n'est pas possible. Fou prend C3, cavalier B6, cavalier C4, qui a été proposé. Oui, par Maxime. Voilà, c'est bien, Team Chess, tu peux mettre comme ça. Tu peux dire si tu as trouvé, mais tu ne notes pas la réponse comme ça. Les autres, Voilà. ils peuvent chercher. Merci. D'accord, cavalier B5, fou prend C3, cavalier D6, cavalier B6. Attention, c'est Alors, au noir de maintenant, jouer. C'est au noir de jouer, honneur de Lisa. jouer. Oui, c'est vrai. Noir de jouer. Bonsoir à Anduk. Ouais. Anduk qui est limite aussi là. Et je ne sais pas s'il pourra répondre. Alors, Anduk, si tu trouves des réponses, tu peux dire que tu as trouvé. Pareil que Team Chess, voilà. Comme vous êtes un peu limite là pour le niveau débutant intermédiaire, c'est de pas Alors, oui, trop. ouais, pardon, c'est pour les noirs, c'est bien ça. Et la solution a déjà été dite, c'était juste pour laisser un peu réfléchir. Alors, effectivement, la bonne solution ici est de prendre le cavalier en C3
et après, bien sûr, de diriger le cavalier. Alors, de nouveau, c'est assez intéressant. Si en échange, vous déstructurez justement la position blanche, les pions sont désolidarisés. Et très souvent, quand vous allez déstructurer, vous allez obtenir des cases faibles, des pions faibles et des cases faibles. Donc, n'hésitez pas à toujours regarder un peu ce qui se passe. Et après, c'est peut-être un détail, mais là, si vous avez le choix entre aller en D6 ou en B6, ben de nouveau, comme l'a dit Sylvain, autant aller sur la case la plus centrale. En règle générale, c'est toujours un peu mieux, vous avez un peu plus de possibilités. Alors, bien sûr, aux échecs, il y a des exceptions. C'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup ce jeu. Mais voilà, si vous avez un doute, autant aller sur D6 que B6. Ici, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon, c'est une question de réflexe. Donc, cavalier D6 avec un gros avantage en finale. Le cavalier, justement, en C4, bloquera les pions. Et après, on installera le roi au centre. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour les finales. Voilà, notez que comme le pion a disparu de B2, il y aura aussi des cases que le cavalier pourra utiliser comme des avant-postes, les cases du bord. Alors on sait que le cavalier au bord, c'est souvent un placement un peu délicat, mais des fois, ça peut quand même être fort. Hein. Imaginez que le cavalier arrive sur A4, il vise le pion C3, ça peut être parfois agaçant. Parce que dans certains cas, on remarque sur le thème que tu mentionnais avec cavalier A4, il y a des situations où ça permet à la fois d'attaquer le pion C3 et d'empêcher la défense par fou B2. Alors ici, il a fou D2, mais il y a des situations où il n'aura pas accès, et ce qui fait que le cavalier sera finalement assez pénible sur le bord. Mais bon, pour le moment, C'est autre bien se chose. concentrer sur la centralisation en En tout cas, on a général. récupéré une case. Voilà, donc pour expliquer hein, pourquoi on n'a pas fait cavalier D6 au début. Alors, c'est vrai qu'il peut pas faire B3 pour l'instant parce qu'il va perdre son cavalier, mais il pourra le faire plus tard. Exactement. C'est-à-dire qu'il va peut-être bouger son cavalier. Et si on vient, et ben maintenant, la différence c'est qu'il a son pion. Et il peut nous faire partir. Voilà, il peut accepter de jouer des coups un peu passifs, mais pour refouler les pièces petit à petit, et après, ben, on n'aura pas cet avantage durable, alors que l'échange vous donne un avantage sur le long terme, on va dire. Là, vous avez des pièces mieux placées sur les prochains coups, mais ça peut vite changer. Alors, petite question de chèvre allié de la table carrée. C'est pas un pseudo facile à prononcer, Ouais. mais un pseudo rigolo, qui demande si le cavalier sera supérieur au fou en cas d'avant-poste. Alors, moi je me souviens justement, j'avais lu dans certains livres que on dit que le cavalier, il est à peu près équivalent à un fou s'il est sur une case, on va dire, pour les blancs en quatrième rangée, alors pour les noirs du coup en cinquième rangée. Il devient légèrement supérieur au fou quand il est sur un avant-poste en cinquième rangée pour les blancs ou en quatrième rangée pour les noirs. Il Donc là, commence à regardez, aller sur le c'est terrain. donc si on compte des noirs, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, c'est la cinquième Voilà, rangée. la cinquième rangée. Et s'il a un avant-poste en troisième rangée pour les noirs, donc la sixième pour les blancs, il devient presque équivalent à une tour. Et c'est pour ça que dans ces situations, il y a de nombreux cas où l'adversaire qui voit un avant-poste de cavalier, par exemple, en troisième rangée, il se dit, bah, tiens, je vais quand même sacrifier une qualité pour supprimer le cavalier puissant. Ça marche. Allez, voilà pour cet exemple. On arrive au quatrième exemple de création. Ouais, alors, oui, effectivement, il y a un cerveau de l'amateur mis à nu. Effectivement, je fais partie des gens qui ont été un peu élevés avec du Silman. J'ai deux frères et du coup, les bouquins de Silman, on connaît un petit peu. Donc, c'est possible que ça vienne de Silman, effectivement. Alors, du coup, au niveau de l'exemple numéro 4, ici, il y a aussi de l'anticipation. Le cavalier est déjà sur une case qui est plutôt bonne, hein, bien centralisée, mais l'adversaire est en mesure de chasser ce cavalier par le coup E6. Donc, avec E6, le cavalier, justement, serait obligé de reculer. Et s'il est obligé de reculer, ben, en troisième rangée, par exemple en C3 ou en E3, il ne sera pas forcément supérieur au fou par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Donc, ici, il faut être en mesure de maintenir cette case, plus ou moins d'empêcher l'idée adverse. Donc là, on fait une introduction légère à la prophylaxie. Et effectivement, je vois dans le chat que le bon coup a été proposé, c'est bien F5. Il y a eu pas mal de bonnes réponses et en plus il y a eu Anduk, Alix, Team Chest qui ont dit qu'ils avaient trouvé. Alors D'accord. je leur fais confiance.
Alors, ce que j'aime bien avec ce coup F5, c'est que maintenant, on interdit plus ou moins E6. E6 donnerait un pion tout de suite, mais même si ce coup était réalisé avec une protection, on va dire roi D7 et E6, les blancs n'auraient qu'à manger ce pion E6, de telle sorte à ce que bah, le cavalier ne puisse plus être menacé ni par un pion, c'est le principe de l'avant-poste, ni par justement une pièce légère. Il ne resterait qu'une pièce légère, le fou de case noire, qui ne pourrait plus chasser ce cavalier. Donc là, le cavalier serait sur un avant-poste durable et il dominera le fou. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, effectivement, avec F5, on a aussi la possibilité, une fois que c'est joué, de menacer cavalier F4, cavalier E6, qui rapprocherait le cavalier un peu plus près, justement, de la position noire et qui menacerait une fourchette. Alors, une fourchette qui sera probablement évitée, mais vous pouvez améliorer votre position justement tout en créant des menaces. Le but, ce n'est pas de créer des pièges pour créer des pièges, mais ici, vous améliorez votre position, donc ça vaut le coup. En plus, en venant en F4, vous allez attaquer G6 et vous allez inciter le pion à prendre aussi une décision. Donc F5, bon coup prophylactique. Au passage, si les blancs n'avaient pas joué F5, on a dit, il y aurait eu une possibilité justement de jouer E6, le cavalier doit bouger. Et derrière, F5. Et ce sont les noirs qui améliorent leur pièce légère. C'est le fou de case noire qui devient plus actif. Donc ça, c'est utile. Et on voit que maintenant, le cavalier, il n'est plus aussi fort. Donc voilà, ici, on a vu en gros les quatre façons, justement, de créer des avant-postes. Donc, je remonte Donc vite ça, c'est fait. Donc, important. On va voir ces thèmes. Ouais, voilà, je vas-y. remonte les quatre, hein. Donc, premièrement, avancer un pion pour créer l'avant-poste. Donc, on avait dit qu'on pouvait après arriver sur l'avant-poste avec le cavalier. Deuxièmement, l'avant-poste n'existe pas. On force un pion adverse à partir pour après pouvoir utiliser la case d'avant-poste. Troisièmement, on échange une pièce pour modifier la position des pions de l'adversaire, ce qui fait qu'après, on peut venir utiliser la case d'avant-poste. Et dernièrement, on empêche l'adversaire de nous chasser avec un pion, ce qui fait que selon la définition, si on prend une définition stricte du fait qu'il n'y ait pas de pion sur les colonnes adjacentes, c'est pas un avant-poste, mais en pratique, finalement, ça devient un avant-poste. Alors, Xavier, oui, Xavier, qui dit que c'est un peu simple ce soir, eh bien, Xavier, n'hésite pas à revenir vendredi. Et je ne sais pas si tu étais là les deux derniers vendredis avec les joueurs de l'équipe de France, Christian Bauer et Romain Edouard. C'était pas très simple. Et tu pourras Ouais, revenir effectivement. vendredi avec la championne de France, la multiple championne de France, Sophie Millet. Voilà, ben, on essaie de donner pour tout le monde, hein. Des masterclass un peu moins dures, un peu plus dures. Si on fait tout le temps dur, bah, évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à suivre. Si on fait tout le temps facile, bah, les joueurs plus forts, ils s'ennuient un peu. Donc on essaie de faire les deux. Voilà, le lundi et le vendredi. Et comme le dit Benjamin, très justement, et je l'ai souvent expliqué avec Sébastien, on l'a souvent dit, c'est que même quand on est très fort ou qu'on croit être très fort, ça fait toujours beaucoup de bien de revoir les fondamentaux, parce que les échecs, c'est très 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 vaste. Et donc si à un moment on regarde plus du tout ce qu'on croit connaître, eh bien c'est là où on peut se faire avoir. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça toi-même dans ta pratique, Antoine. Classés et qui me surprennent dans le bon sens, mais des fois dans l'autre sens, en pensant que ces notions sont totalement assimilées. Et par moments, ça arrive que des élèves butent sur des choses comme des avant-postes acquis. Et c'est pour ça que voilà, c'est important de revoir ces notions, des fois certaines choses simples. Il y a des moments, en progressant, on cherche à devenir plus concret et on réfléchit, on va dire, d'une autre manière. On oublie des fois que les meilleurs coups sont les plus simples, donc revenir aux fondamentaux. Et moi-même, par moments, ça m'arrive de relire justement des livres, je veux dire, que j'ai déjà lus il y a longtemps et qui font du bien, on va dire, même en tant que joueur. Se dire, ah ben oui, effectivement, là, ce coup est assez simple et je me suis pris la tête en cherchant un truc un peu trop compliqué. Tout à fait. Ce qui fait que des fois, même quand on a un niveau très avancé, on peut apprendre plein de choses en revoyant des choses qui sont censées être pour des niveaux moins avancés. Voilà. Allez, donc on a fait une bonne partie de ce premier chapitre et on continue avec cet exemple. Ouais, alors, du coup, avec les blancs, c'est bien très haut blanc. Nous avons une structure bon, plutôt fermée, hein. Certains connaisseurs voient donc la structure est-indienne.
Peut-être qu'il y a même dans le chat des fervents défenseurs de cette ouverture antipositionnelle. Je fais exprès de vous provoquer, évidemment, puisque je ne fais pas partie de ces joueurs-là. Je serai plus du côté des Blancs. Mais peut-être qu'il y en a dans le chat qui jouent l'Est indienne. N'hésitez pas à vous manifester. Il n'y aura pas de bashing, on est sûr. Ça a déjà commencé, alors je ne sais pas s'ils vont se mastipister. Alors, n'hésitez pas en plus à regarder qu'est-ce qu'on pourrait bien jouer justement sur le thème de l'avant-poste ici. Alors, déjà des petites propositions. Est indienne comme Kasparov. Oui, ah, oui, il y a des. Effectivement, il y a des fervents Laurence avec plein de points d'exclamation. On sent l'adepte. Quelques fans d'Est indienne. Ouais. Une très bonne ouverture. Bon. Ouais, après, voilà, il y a eu des parties fantastiques sur l'Est indienne. Je repense à une partie de Kramnik-Kasparov où il y a un sacrifice de dame très joli que l'ordi juge comme incorrect de nos jours, je pense, peut-être légèrement douteux ou encore correct en pratique, on va dire. Et voilà, sur le thème de la Stindienne, une super partie. Je n'ai pas toutes les références, mais ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir un Kramnik-Kasparov avec un sacrifice de dame. Ouais, je ne suis pas très pointu. Je crois que c'était un blitz et c'est Kasparov qui sacrifie la dame pour deux pièces mineures. Voilà, c'est ça. C'était effectivement deux pièces légères avec un fou de case noir fantastique sur la grande diagonale et une marée de pions. Oui. C'était chouette. Magnifique. Entre autres, belle partie d'Est indienne. Hein. Il y a du choix. Il y a Nakamura comme joueur plus récent qui a fait des super parties contre Anand, contre Gelfand. Oui, effectivement. Ding aussi. Oui. À très haut niveau, ouais, c'est chouette. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre ces parties-là. Alors, j'ai vu au moins deux fois la bonne réponse dans le chat. Alors, la bonne réponse complète, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de cavaliers 3. Donc, bravo. Déjà, vous avez trouvé le premier coup. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, c'est bien joué. Et il y a eu au moins deux internautes qui ont proposé la bonne suite. Alors, maintenant que vous savez que c'est cavalier 3 le premier coup, est-ce que les autres. Vous pouvez les rejoindre dans cette idée pour comment bien continuer. Alors, je suis obligé de mentionner la petite blague que j'apprécie. Je suis un ex-indienne pour Gérald, bien vu. Effectivement, on peut quitter cette ouverture. Après, bon, on peut y retourner à un moment donné, évidemment, mais bien dit. Est indienne, ouverture du futur, pourquoi pas? Il peut y avoir un débat dessus. On sait que des fois, ce qui était enterré dans le passé revient sur le devant de la scène. Hein. Surtout en plus, bon, j'allais dire avec les nouveaux moteurs d'analyse qui peuvent trouver des idées folles dans de nombreuses positions compliquées. Donc, non, c'est clair que entre humains, ça va. Entre machines, ça serait peut-être plus dur, mais bon, après, on ouais, sait c'est pas. Ça. Mais avec une assistance d'ordinateur. Alors là, tu introduis un thème important, Antoine. On a vu donc la question des pions qui pouvaient surveiller l'avant-poste, mais là, c'est plus la question des pièces qui peuvent lutter contre l'avant-poste. Oui. Alors, effectivement, ça sera justement juste quelque chose que nous verrons après. C'est que là, la direction du cavalier, c'était très bien. Le cavalier recule très légèrement pour viser cette case, qui est une belle case d'avant-poste. En plus, proche du roc, c'est toujours intéressant pour avoir des thèmes contre le roi. Maintenant, ce cavalier, il n'a pas d'intérêt à y aller tout de suite parce qu'il y a le fou qui est en C8 qui se ferait une joie de s'échanger. Et quand vous avez un avant-poste, c'est une case intéressante que vous ne voulez pas bloquer avec un pion. Parce que le pion, il a un inconvénient, c'est qu'il ne peut pas reculer. Et du coup, il bloque cette case. Et on ne pourrait plus l'utiliser. Donc, on pourrait dire qu'en contrepartie, on a libéré la case 4, mais la case 4, elle est moins avancée. Et en plus, elle est déjà contrôlée par un cavalier noir. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai mal joué. Pardon, je m'auto-corrige parce que j'ai fait une grosse erreur. Je pense qu'il faut jouer E4 ici pour les noirs, qui est beaucoup mieux pour ouvrir pour le fou. Valorisant le fou et obtenant la case d'avant-poste D3 avec un thème de vis-à-vis tour 8. Peut-être un petit tour 8, oui. Ça, voilà, les joueurs d'Est indienne, ils vont apprécier ce type de coup, je pense. Ils adorent, ouais. Pion E4. Permet, je pense que c'est une manière de remercier ce fou dans l'Est indienne. Alors bravo, hein, il y a eu beaucoup de bonnes réponses de fou G4 dans le chat. Félicitations, énormément de joueurs qui ont proposé ce coup. Donc, bien vu.
Ouais. Alors, ce qui est instructif avec fou G4, il y a plusieurs idées à prendre en compte. C'est que quand vous jouez fou G4, vous avez des fois plusieurs avantages qui vous poussent à trouver le bon coup. Premièrement, en jouant fou G4, vous remarquez que vous supprimez le principal défenseur de la case F5, qui sera en plus très dur à contrôler chez l'adversaire, alors qu'il lui reste deux cavaliers, mais les cavaliers auront toutes les peines du monde à essayer de contrôler F5, à cause du manque d'espace, par exemple, où les cavaliers ont vraiment du mal. Et autre chose, votre fou est mauvais parce que la majorité des pions qui sont fixés au centre sont sur sa couleur. Donc ce fou, il n'a pas beaucoup de perspectives. Par contre, il a une belle diagonale et après cet échange-là, la case F5 sera géniale pour le cavalier blanc. Voilà, alors par contre, ça ne veut pas dire qu'on va forcément le faire tout de suite, parce que peut-être que si on voulait prendre de la dame, comme je l'ai lu sur le chat, il faudrait compter sur le coup Ouais. cavalier des trois échecs, qui est peut-être un peu agaçant, parce qu'il va nous prendre notre bon fou. Et bon, même si c'est vrai qu'on aura la Alors. case F5, hein, mais. Alors, ce qui est assez amusant, si on veut rajouter un peu de piment dans cette position, on pourrait même se permettre d'avoir un roi un peu au centre, soit se permettre de jouer roi F1, roi G2, voire même roi E2. Parce que même si on venait à se faire manger le fou, effectivement, c'est notre bon fou, mais l'adversaire aurait des difficultés à ouvrir le jeu. Il devrait peut-être essayer d'ouvrir le jeu sur l'aile dame, mais on contrôle tellement bien qu'on pourrait se le permettre. Mais je suis d'accord, en apparence, mettre le roi justement à être déroqué, c'est un peu déplaisant. Mais la position est tellement forte avec cet avant-poste qu'on peut se le permettre. Peut-être le plus prudent serait de jouer roi F1, roi G2, hein, si vous voulez vraiment mettre le roi à l'abri. Mais voilà. Là, je pense que s'il n'y a pas de problème tactique, notre position est juste géniale ici. Ouais, il Le pourra jamais roi. faire ça, hein, parce qu'on contrôle trois fois la case. Donc là, c'est impossible pour lui. Exactement. Donc, ouais, alors, au niveau de cet exemple, à mon poste. Oui, donc on peut aussi préparer le coup fou G4. De toute façon, il va sans doute pas s'envoler, donc on peut peut-être le faire plus tard. On continue? Ouais. Très haut blanc. Donc, très haut blanc. Que jouez-vous? Alors, on attend vos réponses sur le chat. Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher. Alors, cavalier, ok, on a une réponse. Tac. Team Chess, il l'a. G, ça, ok. Alix. Ça, ah, il va y avoir, pour le moment, il y a Oula, il y a une grosse deux majorité. teams, trois teams. Attends. Il y a une communauté qui s'est créée autour de Ouais, il y a des Cavalier fans. Ouais, là, F3. il y a eu de la bonne publicité pour ce coup. Cavalier Voilà. DF3 qui est plébiscité sur le chat. Ouais, exactement. Alors, je suis curieux de savoir si. Allez, Anne Duc et Team Chess, vous pouvez mettre vos réponses. Alix également. Allez-y, on va voir si vous Allez-y, avez. c'est le moment. Vous êtes Cette autorisé. fois, vous avez carte blanche. Vous avez la parole. Un duc qui rejoint le club des cavaliers DF3. Anthony également. Anthony qui avait donné une très bonne réponse tout à l'heure. Il avait tout de suite trouvé la manœuvre avec fou G4. Mais là, il est aussi dans le club des Ah. cavaliers DF3. Ah, il y a un contre-club qui vient de se créer. Avec Julien et Maxime qui Alors sont pas justement, d'accord. je précise que Maxime est quand même pas mal classé, hein. Il a dépassé les 2000 élos. Donc, Oh là! Maxime, c'est normal que tu aies trouvé ça facile. Donc tu seras obligé de garder tes réponses un Ouais. peu plus au chaud. Tu pourras juste dire si tu as Malheureusement. trouvé ou pas, comme les trois autres joueurs bridés. Alors, peut-être que c'est un homonyme, hein, mais à mon avis, c'est quelqu'un que je connais. Alors, malheureusement, Cavalier DF3 n'est pas le meilleur coup, n'est pas le meilleur coup. Donc si c'était votre idée, essayez de trouver mieux. Alix qui a trouvé la réponse, voilà, bien joué. Alix, donc on a eu 3 ou 4 bonnes réponses et une bonne douzaine ou quinzaine de mauvaises réponses, Antoine. Ouais, ok. Donc bon, comme quoi, il y a toujours des fois des subtilités dans les positions qui semblent peut-être simples. Alors, le coup proposé a l'air très logique et en soi, ce n'est pas un mauvais coup. Dans la majorité des cas, je pense qu'il est possible que votre adversaire se trompe et échange le cavalier D7 avec le cavalier E5. Et là, surtout, on reprend du cavalier parce que, bien sûr, on ne veut pas mettre de pion sur la case d'avant-poste puisque le cavalier n'aurait plus justement de cases intéressantes.
et on va reprendre du cavalier, et le cavalier va exercer une pression constante justement sur cette case. Il ne peut être ni chassé par un pion, on l'a dit, ni par une pièce légère. Et du coup, une tour, ce n'est pas possible, et même si c'était le cas, une tour est censée quand même valoir plus qu'un cavalier. La dame n'ira pas se sacrifier non plus, évidemment. Donc là, on est content. Sauf que ici, les noirs sont en mesure de jouer le bon cavalier F6. Après cavalier F6, il y a un problème, c'est que effectivement le cavalier est toujours sur une case forte, sauf qu'on a le collègue en F3 qui est un peu mal placé, parce que ce cavalier, il attend juste en relais de prendre la place de son compagnon, on va dire, et il ne peut pas. La case F3, elle aurait pu être utilisée par une tour pour coulisser sur l'aile roi, par exemple, et du coup, là, elle bloque la possibilité de la tour, et la dame, exactement. Et il y a un autre problème, c'est que les noirs peuvent peut-être envisager ici, si on leur laisse le temps, de jouer C5, D4, et peut-être d'échanger le mauvais fou contre le cavalier. Voilà, ça, c'est un plan que les noirs pourraient avoir. Donc, on se retrouve avec une pièce superflue. C'est comme ça que dit Jérémy Silman, je crois, aussi, pour les adeptes. À noter que si on fait D4 comme Robert et Gérald le proposent sur le chat, et peut-être d'autres, on crée une case d'avant-poste à l'adversaire. Tout seul, on lui donne la case voilà. 4 d'avant-poste et il va venir dessus. Exactement. Voilà. On lui donne aussi des fois la possibilité de dédoubler avec C5 tôt ou tard. Ça peut être une idée. Mais voilà. Des fois, il faut, vous n'êtes pas obligé de contrôler la case d'avant-poste avec deux pions. Des fois, un seul pion suffit. Regardez que le pion D3, en fait, il contrôle bien E4, il n'a pas besoin de bouger. D'accord ? Des fois, on se sent plus en sécurité quand on met les deux pions. Ça peut arriver. Mais attention au contre-jeu que vous laissez chez l'adversaire. Oui, à noter, donc, j'aime bien une expression, quand il y a deux cavaliers comme ça pour une seule case, c'est de dire qu'ils se marchent dessus. C'est pas du tout pratique des cavaliers qui se marchent dessus. Très astucieux de la part des noirs de laisser les deux cavaliers au blanc. Effectivement, il y en a un des deux qui est en trop. Hein. Cavalier superflu, là. On en a un en trop, on aimerait avoir un seul. Et donc maintenant, si on revient au début, on comprend de manière limpide, comme dit Benjamin, qu'il fallait d'abord prendre en D7. Il reprend évidemment. Et maintenant, on y va avec l'autre cavalier, et il ne pourra rien faire pour éviter cette situation où on va avoir le cavalier sur l'avant-poste contre le mauvais fou. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous facilitez la tâche. Et des fois, on a tendance à vouloir jouer le coup cavalier DF3 juste en se disant bah, « s'il échange, j'ai l'impression de gagner du temps ». Alors qu'en échangeant simplement, vous assurez un avantage sur le long terme. Voilà. Vous n'êtes pas à un coup près des fois. Vous jouez ça, vous allez faire cavalier E5 et votre avantage va être durable. Il est possible que dans 5, 10, 15 coups, votre cavalier soit encore là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il est possible que ce cavalier ne soit plus là parce que ce cavalier, il a été tellement pénible qu'il a fait une tactique, qu'il a gagné soit une qualité, soit une dame, soit une attaque de mat. Oui, c'est ça. C'est là, la... Des fois, c'est pour la bonne cause aussi. C'est la case forte en E5, Lisa, c'est la même chose que l'avant-poste. On peut dire que c'est des synonymes. Ouais. Voilà. Certains pointilleux, ça m'est déjà arrivé d'avoir un débat avec d'autres entraîneurs du club. Et effectivement, il y a de nombreuses définitions au niveau d'avant-poste, case forte. Et j'ai l'impression que par moment, on peut tous avoir sa propre définition. Mais voilà, pour faire simple, on va dire case forte, avant-poste, ça, c'est sensiblement la même chose, oui. Voilà, et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ces termes de vocabulaire, etc., je crois qu'on en avait discuté avec Marc. Lors d'une masterclass, alors c'était peut-être même pas la toute première, mais je sais que j'avais fait un chapitre à un moment sur l'avant-poste absolu. C'était deux pions qui surveillaient une case sur une colonne ouverte. Alors il y a possibilité de faire plusieurs catégories d'avant-poste, et j'en avais discuté par mail avec Xavier Bédouin qui avait fait 4 ou 5 catégories d'avant-poste différentes. Donc très intéressant d'essayer d'y voir plus clair aussi dans les différentes situations et pas d'utiliser forcément un seul mot pour une situation qui peut être différente. Effectivement, par rapport à ça, des fois, il faudrait peut-être passer une heure, voire deux heures entières pour avoir toutes ces nuances. On est obligé de peut-être vulgariser aussi un petit peu plus. Bien sûr. Et effectivement, là, ce que tu mentionnes, le transfert de la tour, c'est intéressant. Il y avait une question justement de Film Dark 3.0. Donc, c'est intéressant. À quel moment on sait qu'on a besoin de se créer un avant-poste? Alors, souvent, ça va être dans les situations où vous avez un duel de pièces légères, vous avez croqué un cavalier chez l'adversaire et l'autre a un fou.
Donc, si l'adversaire a un fou ou la paire de fous, il va essayer de valoriser la pièce qu'il a en plus. Donc, dans ce cas-là, lui, il va ouvrir des diagonales, valoriser son fou. Et avec votre cavalier, vous devez vous dire, si c'est la pièce que j'ai en plus, il faut que je la valorise. Comment on valorise un cavalier? Le cavalier a besoin d'avant-poste. Donc, c'est souvent à ce moment-là qu'on a intérêt à créer des avant-postes. Avant, vous pouvez le faire aussi, hein. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Si vous créez un avant-poste intéressant pour le cavalier, vous pouvez vous dire, ah, ben, le cavalier va peut-être être plus fort qu'un fou. Je décide donc de d'échanger mon fou contre un cavalier. D'accord? Mais c'est souvent par rapport au type de pièce légère que vous avez. Alors, pas mal de questions sur le chat, hein. Vous participez beaucoup, donc merci à vous. Romaric qui proposait la case G5, mais c'était répondu par Julien, donc vous vous répondez aussi entre vous, donc c'est pas mal. Effectivement, case G5, on pourrait être plus tenté de le faire pour faire par exemple dame H5, puis dame prend H7 mat, mais il va y avoir H6 et on pourra pas rester là, et c'est la différence avec la case E5, où il peut pas nous pousser avec un pion. Voilà. Alors effectivement, par moment, je me dis que c'est pas mal d'avoir des joueurs à 1900, 2000 élo parce que c'est certains prennent la main et Ils répondent peuvent sur le répondre, ouais. Ils prennent le relais. Ils prennent le relais. prennent le relais. Très bien, on a encore beaucoup de choses à voir, on continue. Ah bah voilà, maintenant c'est à vous de travailler. Alors vous avez déjà travaillé, on vous a déjà posé pas mal de questions, mais là c'est spécialement les exercices pour voir si vous avez compris ce qu'on expliquait avant. Alors même chose, hein, si vous regardez en différé, n'hésitez pas avant chaque exercice. Donc là c'est très au blanc, je mettrai du côté à qui c'est de jouer. N'hésitez pas à mettre la pause pour chercher. Donc exercice au blanc de jouer, qu'est-ce que vous faites? Donc n'oubliez pas, pour les bien classés, n'hésitez pas à À ne dire que pas vous avez donner votre réponse. trouvé sans noter la Voilà. réponse. Voilà. Donc il y a plusieurs. Apparemment, c'est unanime, hein? Alors là, tu as très bien expliqué, Antoine, hein, parce que tout le monde a compris. Hein. On va dire que c'est ça. C'était très difficile, mais tout le monde a assimilé Bravo. B5, B5, d'accord. Alors là, c'est l'unanimité. Sinon, il y a un bug informatique, mais je pense Non, que. non, non. Un piratage avec le coup B5, quoi. Un piratage. Voilà. Une personne qui a mis le compte en même temps, qui appuie sur un bouton. Alors, B5, oui, apparemment, tout le monde a mis B5, et effectivement, c'est bien B5. Bravo. Là, le but, c'est de créer justement un avant-poste en déstabilisant le pion C6. Le pion C6, justement, contrôle D5. Et si vous le forcez justement à quitter son poste, vous allez obtenir en force la case D5. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi remarquer le rapport de pièces légères. C'est un cavalier et un mauvais fou, d'accord? Donc, si vous créez un avant-poste sur case blanche, c'est d'autant plus intéressant parce que l'adversaire n'a plus de fou de case blanche. N'hésitez pas à regarder. Si à un moment vous avez le choix entre créer un avant-poste sur case blanche ou sur case noire, regardez quel fou l'adversaire il lui reste. Vous aurez plus d'intérêt à créer un avant-poste sur case blanche si l'adversaire n'est pas en mesure d'échanger son fou. Donc après B5, effectivement, l'adversaire, justement, peut échanger avec A6 pour B5. Ici, les deux prises sont possibles. Alors normalement, on a tendance à reprendre vers le centre. Donc A prend B5 est tout à fait correct pour ouvrir la colonne de la tour. C'est le plus naturel. C prend B5 est assez malin aussi, et un peu plus fort, dans le sens où, en faisant C prend B5, vous gardez une possibilité pour votre pion A4 d'être passé et d'avancer en A5, A6, A7, A8 plus tard, une fois que l'échange aura lieu en C6. Donc si l'échange en B5, on peut faire A prend B5, se créer par exemple le pion passé. On peut peut-être même prendre avec les autres pièces d'ailleurs, peut-être la dame, je sais pas. On peut aussi prendre avec d'autres pièces. Dame prend est tout à fait possible pour conserver le pion A plus éloigné. A prend, a le pion passé, on a la tour. Là, on va avoir le choix entre de nombreuses variantes gagnantes. Des fois, il ne faudra pas prendre trop de temps. Si toutes les variantes vous semblent très fortes, ben, voilà, vérifiez qu'il y en a, qu'elle n'ait pas de soucis tactiques. Et après, ben, lancez-vous. Ça marche. Deuxième exercice. Alors je tourne car c'est au noir de jouer. Donc au noir de jouer, à vous. Alors, question de Jules. Que se passe-t-il si les noirs jouent C5, Ah. cavalier B6? On va revenir peut-être alors.
On peut revenir juste avant, comme ça, c'est bien parce que les plus forts devront résoudre la potion à l'aveugle qu'ils viennent de voir, donc Non, ça non, c'est je... malin. Donc, c'est prendre... Donc prise, alors prise et C5. Alors peut-être, alors C5 au départ c'était difficile, mais là C5. Alors effectivement, le cavalier pourrait contrôler, mais malheureusement on laisse deux pions passer très fort. Les pions A4, B5 vont chasser ce cavalier qui ne peut pas être stable. Mais dans tous les cas, on est dans une situation où le cavalier, voilà, serait plutôt défensif. Peut-être Et le il peut faire cavalier n'est pas C5 pressé. ici. Et C5 tout de suite, malheureusement, on aurait C'est la pareil en fait. possibilité Ouais. de croquer le pion A6 si on veut, ou encore de faire Et A5 pour puis, interdire ouais. cavalier B6. Et ça, c'est très fort également. En jouant A5, on a toutes les possibilités. On peut faire B6, on peut faire B prend A6, on peut faire cavalier D5. Ok. Ici, remarquez à quel point les pièces noires n'ont aucun contre-jeu. Pas de colonne. Et pas de case, c'est juste terrible. Il y a juste une possibilité pour les plus aguerris, on va dire, d'entre vous, qui voient une possibilité pour le cavalier noir de se recycler en F8, puis E6 pour viser D4, mais non seulement ça prend du temps, et ce cavalier aurait le malheur en D4 de pouvoir se faire échanger par le fou. Donc dans le pire des cas, ce cavalier pourrait être supprimé s'il venait à être trop gênant. Bon, les blancs ne laisseraient pas les noirs manœuvrer tranquillement, sachant qu'à l'aile dame, il va se passer justement un désastre. Le cavalier vient en D5 et après on va créer un pion passé ou ouvrir des colonnes. Donc Ok, les on noirs n'ont revient pas le temps. sur la position numéro 2. Au noir de jouer. Alors désolé, je vous ai coupé, hein. Il y en a qui avaient commencé à mettre leur réponse. Je vous invite à recommencer. Il y a quelques exercices, il y en a à peu près 3. Donc, j'ai vu deux possibilités pour le moment, deux idées. Tac, 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 tac. Ouais, il y a deux teams, hein, encore. Il y a deux teams. J'ai eu ça, ouais. Du KG1 et du H4. Ah oui, il y a deux équipes, d'accord. Je croyais qu'il y avait Team Chess, donc je disais Ah, TIM. ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Ouais, donc il y en a qui proposent H4, il y en a qui proposent Cavalier G1. Alors. Ici, la solution a été trouvée, donc ça fait bien partie des deux coups proposés. Le coup est bien sûr cavalier G1. Alors, l'idée de cavalier G1, c'est assez surprenant, mais le cavalier peut se diriger vers un avant-poste en passant par une case complètement surprenante, on va dire. Parce que le cavalier s'installe sur la première rangée, un cavalier noir en première rangée, c'est plutôt rare, mais le but, c'est d'arriver sur la case F3. Et en F3, il y aura en plus des thèmes que nous allons travailler par la suite. C'est que même en finale, avec un nombre réduit de pièces, il y a toujours des menaces de mat qui peuvent arriver grâce à un bon avant-poste bien placé. Donc, cavalier G1 est un très bon coup. Et la menace cavalier F3 oblige les blancs à réagir. S'ils ne sont pas vigilants, encore une fois, hein, si l'adversaire ne fait pas de prophylaxie et pousse son pion en se disant « Ok, pas de problème, je vais faire dame », cavalier F3 et les blancs n'ont plus que les yeux pour pleurer là. Tour G1 qui arrive. Donc c'est mat forcé. Ils peuvent retarder le mat en sacrifiant leurs pièces. Ils peuvent faire échec. Hein. Tour G8 échec par exemple. Roi H7 et après c'est mat. L'ordinateur propose tour G7. Meilleur coup. Roi prend. Fou F8. Voilà. Les meilleurs coups de l'ordi. Ça nous fait bien rire. Et derrière, on se fait mater. Donc là, de nouveau, il faut comprendre que le cavalier a besoin d'avant-poste. Vous imaginez la case de rêve pour ce cavalier. Vous dites la case de rêve, c'est quoi? N'hésitez pas à regarder souvent aussi le pion le plus avancé. Votre pion le plus avancé, c'est G4. Donc souvent, les cases autour de lui sont plus intéressantes. Et vous vous dites comment arriver en F3. La case D4 étant prise par le fou, vous n'allez pas le faire parce que même si vous veniez à essayer de protéger le cavalier sur cette case en le préparant, en mettant un coup de tour, ben le fou n'hésiterait pas à croquer le cavalier une fois que ce cavalier arriverait sur cette case. Donc là, il faut être un peu plus créatif et passer par G1. Et après cavalier G1, les blancs devraient à tout prix voilà, faire un coup comme F3 ou F4, on va dire F4, pardon, pas F3. Et à ce moment-là, le cavalier pourrait quand même revenir en F3.
La prise en passant gagne un pion, mais serait un peu moins fort parce que le cavalier, du coup, aurait plus accès à cette case forte. Hein. On peut se permettre de prendre en passant, mais cavalier F3 est plus sûr, avec une position clairement avantageuse. Alors, attends, recule juste. Pardon. Ouais, il y a un... Ah oui, il a sauté, ok. Bien vu. Ouais. Alors, je suis vigilant parce que je sais que ça m'arrive souvent. Donc, je sais... Ok. Oui, je suis surpris d'ailleurs, ça m'arrive aussi de temps en temps. Alors voici le troisième exercice et le dernier de ce premier chapitre, trait au noir. Allez-y. Un exemple peut-être plus subtil qu'il en a l'air. Oui, N'hésitez pas faites attention, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Voilà, vous voulez finir avec un truc un peu plus... Alors, en disant c'est plus subtil, je me suis dit peut-être que les joueurs mieux classés vont se dire « Ah, ben, j'ai le droit de répondre. » Non, non, gardez les réponses pour ceux qui sont au-dessus de 1500-1600. Non, mais moi j'aime bien quand les joueurs mieux classés se trompent. Ah oui, c'est aussi c'est un risque que de temps en temps on devrait prendre. Ah, ce que j'aime bien, c'est aussi de voir des réponses plus, Détaillé. plus détaillées, plus différentes. Ça montre que voilà, la position est un peu plus subtile. Alors, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées sur le chat, mais la bonne réponse n'a pas forcément été beaucoup donnée, il me semble. Hein. Ah, ça, c'est déjà un indice. Du coup, ils vont refaire leur fil de chat pour vérifier que... S'il y a des matheux, vous pouvez faire des probas et chercher les coups qui sont moins dits. N'hésitez pas à faire, ouais, à faire par étape. Identifiez bien la bonne case d'avant-poste, ce que vous cherchez à obtenir, par exemple. Souvent, la construction d'un plan pour des joueurs très très forts, on va prendre Carlsen, puisque bon, voilà, c'est le champion du monde, ils ont les coups qui sont quasiment innés, bon, après beaucoup de travail. Mais voilà, il faut bien construire son plan, se dire il y a ça, méthodiquement, je vais jouer comme ça, j'espère obtenir ça. Voilà. Alors, il y a eu des propositions de coups de pion sur le côté de la dame avec B5 ou A5, qui malheureusement risquent pas trop de créer l'avant-poste. Alors, il y a encore, admettons qu'il prenne, peut-être, mais même s'il prend, ça c'est pas grand-chose et puis il Ouais. peut rester comme ça. Alors, surtout que B5, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas mentionné. B5 peut créer un avant-poste après le coup B4, mais attention, vos avant-postes, il ne faut pas oublier qu'ils doivent être Ah accessibles. oui, on Après n'a pas dit. B4, la case C3 a l'air super bien, parce qu'on se dit si un cavalier atterrit là, il attaquerait un roi et une tour un pion. Bon, déjà, ces pièces auront déjà déguerpi, on va dire, le temps que le cavalier arrive. Et trouver un chemin par Ouais, quelle puis il y a case le pas... cavalier atteint cette case, Très dur. c'est difficile. Par contre, ça pourrait être un plan qui pourrait être intéressant une fois que les noirs ont réussi à jouer sur l'avant-poste. Ce serait une autre manière de jouer après. Alors, A5, c'est... A5, c'est peut-être pour faire cavalier A6 qui est B4, problème qu'il peut faire A3 pour nous empêcher de venir. Ouais, et la case B4, elle est un peu exilée, Elle ce est qui loin fait que du centre, ouais. voilà, on prend le moins de cases. Alors, ceux qui ont proposé fou D7. Pas mal. C'est une bonne idée. Ils sentent le piège venir là déjà. Mais Ils sont dommage. pas Mais assez dommage, c'est la mauvaise réponse. Non, bien, bien. En fait, vous avez un demi-point pratiquement. Parce que vous Voilà. avez trouvé une belle idée. Qui était même précisée des fois dans certaines réponses. Donc de jouer fou G4 pour éliminer le cavalier. Et après, cavalier C6 qui est D4. Franchement, ça a l'air fantastique comme plan. Ouais. Et là, c'est intéressant. On pourrait même faire justement une introduction, une Oui. deuxième introduction par rapport au thème qu'on travaillera un peu plus tard. C'est que dans le chat, est-ce que vous pouvez dire quel est l'inconvénient en fou D7? Si vous deviez faire de la prophylaxie, qu'est-ce que les blancs jouent justement? Ils voient ce plan arriver. Soit ils se laissent faire, tant mieux, mais bon, c'est pas comme ça qu'on essaie de jouer efficacement aux échecs, soit ils anticipent le plan. Et voilà, c'était Alors, cité par au moins quatre internautes. Tour G1 empêche le coup et on a raté notre plan.
Et voilà. Et après tour G1, le problème, c'est que vous n'avez plus accès à fou G4. C'est pour ça que vous devez toujours essayer d'avoir une petite idée après votre coup, de voir est-ce que l'adversaire peut empêcher ce plan simplement. Alors là, vous pouvez vous dire, bah, OK, il a empêché. Vous pouvez toujours rebasculer justement sur l'autre coup qui a été pas mal mentionné, c'est fou E8. Mais après fou E8, votre adversaire, il continue de vous dire, bah, OK, tu vas faire fou H5, je peux te jouer tour G5, par exemple, ou roi E3, je peux sortir de l'alignement. Et du coup, bah, vous pouvez toujours pas jouer votre plan. Et votre fou, bah, sa vocation, c'était quand même de s'échanger contre le cavalier. Et ici, vous l'empêchez de le faire. Et là, la position s'équilibre. C'est pour ça qu'ici, il y a une certaine subtilité dans l'exercice. C'est qu'il faut déjà prendre en compte que l'adversaire a des ressources qui peuvent gêner justement cette possibilité. Alors H3, oui, malheureusement, H3, le pion Ouais, est prenable. là on est en prise, hein. On se fait dévorer et après, bon ben, déjà les Vous noirs ont menacez gagné un pion et G4. remenacent. Donc tour G1 à ce moment-là, mais on aurait donné un pion dans l'histoire et ce n'est pas forcément une très bonne idée. Voilà, donc il s'agissait bien de fou E8 directement. Et voilà la bonne réponse, sachant que maintenant il peut pas empêcher le coup fou H5, il peut même pas empêcher la capture du cavalier. C'est ça qui est beau. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a un alignement terrible pour les blancs. C'est que s'il veut vraiment éviter de se faire manger le cavalier, il devrait donner une pièce plus forte et accepter, par exemple, après roi E3, fou H5, ben, le cavalier, s'il bouge, ben, c'est la tour qui serait mangée. Donc, il y a deux pièces fortes dans l'alignement et les blancs n'ont pas le temps de sortir les deux pièces. Ce qui fait que, voilà, on va normalement échanger. Hop, cavalier C6. Avec un cavalier fantastique qui dominera facilement le fou. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que le cavalier sera en D4, on activera probablement la tour sur la colonne, et après viendra probablement le plan mentionné, c'est-à-dire plutôt peut-être B5, B4. Mais c'est après avoir réalisé ce plan-là. Ça va être un plan qui permet de continuer justement à créer des problèmes chez l'adversaire, prendre un peu plus d'espace par exemple. Voilà, donc fou E8, s'il fait tour G1, bien sûr on continue le plan. Faut pas faire dans le désordre, hein. Des fois on voit des joueurs Ouais. qui ont un plan et savent pas trop quel coup faire. Si on commence cavalier C6, et eh ben c'est trop tard. On Tour se prend tour G5, G5 encore une aussi, fois, par et exemple. on peut pas venir. Tour G5 qui n'est pas le seul coup, on l'a dit, hein, il peut aussi faire roi E3, puisque fou H5, le cavalier pourrait bouger. Mais Exact. tour G5, voilà, il suffit d'avoir un coup pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Donc quai G5 ou cavalier H4, même ou quai D2, hein, bien sûr, qui En fait, permet justement. l'idée, ça va être que plus tard, il pourra utiliser ce cavalier pour pousser notre cavalier, quoi, pour échanger notre cavalier. Voilà, si les fous venaient à s'échanger, derrière, le cavalier sera en mesure de contester l'avant-poste. Donc, à vous d'être malin et d'essayer d'éviter ça, mais ce n'est pas simple. Là, vous pouvez encore jouer tour F8 pour éviter la venue immédiate du cavalier. C'est encore un coup prophylactique. Mais après tour F1, ici, bah, vous faites contester. Et ici, votre avantage serait finalement quasi inexistant. Vous êtes un tout petit peu mieux placé pour le moment, mais bon, il a son roi au centre aussi. Donc, voilà, là, vous avez raté justement. Une occasion de prendre un clair avantage. Très bien, pour tout ce premier chapitre, alors il reste une partie, mais peut-être qu'on va la laisser de côté pour l'instant et Ouais, on va pouvoir un peu poser. qu'on la verra plus tard. Parce qu'on nous a pris pas mal de temps de faire tout ce chapitre. Donc on va plutôt basculer sur le deuxième chapitre des maths avec un cavalier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'avant-poste. De toute façon, on va en reparler en dernier chapitre, hein, même si ce sera sous un angle un peu différent. Hop. Au revoir, effectivement, il y a Laura qui s'en va. Bonsoir à Maxime À et bientôt. Émilie, à la prochaine. Et oui, Ouais, il est tard, hein, à plus. pour certains, pour les plus jeunes. Ouais, effectivement. J'ai envie de dire, il n'y a pas école demain, mais si, il y a un Ouais, peu école demain, mais et quand même voilà, un pas peu. sur le même lieu. Effectivement. Et ils ne sont Allez. pas ménagés, les jeunes, apparemment, Non. ça c'est clair. Ni les parents, ni les jeunes. Allez, c'est très solide normalement. Cavalier C3, la borne classique. Pion prend. Cavalier prend. Cavalier descend. Un coup très solide qui est utile, comme on va voir dans le dernier chapitre et qu'on a déjà commencé à discuter. Et quand on ne regarde pas ce que fait l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des problèmes. Je crois que la première occurrence de cette partie dans la base de données.
Ouais, il y a eu une petite coupure à un moment, ouais. Là je vois que c'est rouge pour l'instant. Ok, c'est en train peut-être de revenir. Je vais attendre un petit peu. Il y a une coupure et c'est... Ouais. Ouais. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours. Ouais, ok. On va attendre pour revenir. Vous n'hésitez pas à cliquer sur en direct. On va attendre un peu. Je crois que ça s'est stabilisé, mais il faut attendre un peu que ça se. Je vais mettre. N'hésitez pas à rafraîchir la page. Hop. Est-ce que tout le monde est revenu? Je pense que ça s'est stabilisé maintenant. Oui, la semaine dernière, on a eu une coupure, mais là, ça s'est pas vraiment coupé, ça a juste ça s'est ralenti pendant 1 minute à peu près. Donc, je pense Ouais. que tout le monde est de retour. La semaine dernière, malheureusement, avec la coupure, on avait perdu des spectateurs, mais là, je crois que c'est pas mal. Voilà, n'hésitez pas à rafraîchir, à revenir. Rafraîchir la page et je crois que c'est bon maintenant. Donc on va pouvoir enchaîner. Donc le matal étouffé, bien connu. On continue avec une deuxième partie miniature. Cette fois, ça va être les noirs à l'honneur. E4, E5, cavalier F3, Kc6, fou C4. Une partie italienne, souvent jouée dans les clubs. Donc cavalier Ouais. D4. Un coup piégeux, un coup très piégeux. Si vous ne l'avez jamais vu, faites très attention si vous avez les blancs. Cavalier prend E5, qui a l'air logique, on gagne un pion et en plus on menace la fourchette. Est déconseillé. On est sous pression après dame G5, la dame qui contre-attaque et qui attaque le cavalier et le pion. Donc, et si le cavalier se montre gourmand, alors là c'est la catastrophe. Il est tout content de faire la fourchette, il est protégé par le fou. Malheureusement, la dame prend en G2, attaque la tour. On a un seul coup pour sauver cette tour, c'est la mettre ici. Et maintenant, dame prend E4 échec, le roi. Est complètement coincé, faut mettre une pièce devant. On a envie de mettre le fou parce qu'on n'a pas envie de perdre la dame. Et là, l'ordinateur a déjà montré la réponse en flash parce qu'il est très rapide. C'est cavalier F3 mat à l'étouffée. Voilà un superbe mat en 7 coups seulement. Les noirs qui gagnent cette partie en 7 coups, donc un piège abominable, comme le dit Cécile sur le chat. C'est vrai, et même des fois, j'ai vu des joueurs 1500, 1600 qui n'avaient jamais vu ça avec les blancs. Ils se faisaient surprendre, ils étaient choqués. Voilà. Alors, juste ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de le schéma favori du cavalier tactique, c'était la fourchette, mais son schéma idéal de mat, c'est voilà, thématique, c'est l'étouffée. Hein, Ouais, c'est il adore vraiment le son mat à thème l'étouffée. Petite remarque, idéal. s'il était en G2 ici, il y aurait aussi mat à l'étouffée. Exact. Voilà, par contre, si on prenait de l'autre côté, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on fait la Même de fourchette, la dame. mais il sacrifie la dame. Et après, il va essayer de récupérer ben, la tour. Hein. Et soudainement, alors qu'on avait la partie gagnée, on va devoir non seulement faire attention, mais si ça se trouve, on va pas gagner. Hein. Voilà. Donc, voilà deux parties miniatures que je voulais vous montrer. Puis maintenant, on va voir surtout des tableaux de maths, donc sur des rocs, hein, principalement. On va attaquer sur des rocs. Donc, premier exemple, très connu. Allez, c'est à vous. Vous avez plein d'occasions de trouver des maths là. C'est à vous de travailler. Et on va enchaîner les positions. Alors, j'ai fait des duos parce que le cavalier tout seul, à part le matal étouffé, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, il va être secondé. Donc, au début, il va être secondé par une dame, après par une tour, après par un fou, après par un cavalier, le deuxième cavalier, et même à la fin par un pion et un roi. Voilà. Donc là, les blancs jouent et gagnent. Donc si vous voulez vous faire des petits tests et vous voyez dans le replay, n'hésitez pas à chaque nouvelle position à mettre la pause et à chercher et à compter votre score. Donc bien joué, dame G8 sur le chat. Voilà, c'est la dernière étape d'un mat très célèbre. Très célèbre, très beau, ouais, et très Donc connu apparemment. voilà, dame G8, échec. Le roi ne peut pas prendre car le cavalier protège, c'est la tour qui doit prendre. Et on fait le fameux mat à l'étouffée. Mais c'est grâce à la dame que le cavalier a pu faire ce mat. Hein. Sinon, c'est vrai que tout seul, c'est un peu difficile. Et là, il a bénéficié du sacrifice de dame. On continue avec un deuxième exemple. Les blancs jouent et gagnent. À vous de jouer. Alors, pour les plus forts, vous pouvez dire si vous avez trouvé.
Si vous êtes au-dessus de 1500 Elo, vous pouvez dire que vous avez trouvé, mais essayez de ne pas mettre la réponse. Ça permet aux joueurs moins expérimentés de Alex, répondre. Alex a trois réponses. Trois réponses différentes. Il a Il trouvé a trois trois fois. réponses. C'est pas facile de trouver trois réponses ici. Alors que Maxime nous dit le mat de Morphy, c'est deux cavaliers. Alors il y a plusieurs mats de Morphy sans doute. Hein. Il a fait tellement de maths Ouais, effectivement. dans sa vie. Bien Oui, je pense joué. qu'il en a dégainé pas mal. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir un mail à chaque fois qu'une diffusion commence. N'hésitez pas. Donc, dame prend H7, bien joué, on sacrifie la dame de nouveau. On dévie la dame noire et on fait un très très esthétique mat à l'étouffée alors qu'il n'y a même plus de pions en face. C'est que des Ouais. pièces qui encerclent leur roi. Très sympa. On continue. Troisième exemple. Les blancs jouent et gagnent. Alors là, je vais le faire moi-même. Donc simplement, la semaine dernière, on a montré une attaque avec un fou en E3, une dame en D2 qui permettait de faire fou H6 pour se débarrasser du fou de Fianchetto en face. Bah là, voilà, on s'est débarrassé. Peut-être d'ailleurs avec cette technique. Et c'est temps de gagner avec les blancs. Donc si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre la réponse. Les meilleurs joueurs ont déjà écrit qu'ils avaient trouvé la réponse. N'hésitez pas aussi à cliquer sur en direct, hein. Par contre, voilà, il y en a peut-être qui sont légèrement décalés avec la petite coupure là. Si vous mettez votre souris sur la vidéo, vous avez en direct et vous pouvez recliquer. Donc n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur en direct pour être bien en direct avec nous pour si vous participez sur le chat. Alors, Effectivement. je regarde juste là, quelqu'un, Laurence demande où elle est où la cloche. Est-ce que c'est juste après s'être abonné, peut-être qu'elle apparaît? Normalement, Je ne sais c'était. Ouais, plus. faut d'abord s'abonner, je crois. Et après, il y aura une cloche qui Voilà. va apparaître. Ouais, exactement. Donc, plusieurs solutions, effectivement, ici. On a deux cases d'avant-poste. Hein, Antoine vous a parlé des avant-postes tout à l'heure. Eh bien, le cavalier peut, en quelque sorte, choisir laquelle il préfère. Donc, on peut faire Dame F6 échec. Et sur Roi G8 obligatoire, on a le mat cavalier H6. Donc, un mat très classique avec Dame cavalier sur un roque, bah, ma foi, qui était plutôt solide au départ. Juste le pion qui a avancé d'une case. Et donc c'est un bon mat. On peut aussi faire l'autre côté si on a envie. Dame H6, Roi H8, Cavalier F6. Alors là, c'est pas mat tout de suite, mais on menace Dame prend H7 mat. Et il va pas pouvoir empêcher ce mat. Il peut sacrifier ses pièces s'il a envie, s'il est un ordinateur. Mais sinon, il a aussi le droit d'abandonner. Voilà. Donc le quatrième exemple, il est là, un peu plus dur. Allez, à vous de jouer. Vous avez les blancs. C'est une partie Georgiou contre Keane. J'en profite pour saluer un de mes anciens entraîneurs, Klaus Bolding. C'est pour ça que je l'ai mentionné dans la parenthèse. J'ai utilisé un de ses livrets de travail pour trouver quelques-unes des positions de ce chapitre. Il avait justement classé des positions des maths par matériel. Donc maths avec dame et cavalier, dame et C'est fou, dame et utile, ouais. tour, c'est pas mal. Je vois que Maxime a fini sa sieste, il revient. Lisa, ah oui, ah, c'est gentil, Lisa, effectivement. Lisa, Lisa, la très en nouvelle forme. abonnée. Très en forme, Oui, très Lisa. en forme. Elle dégaine le point d'exclamation, là. Quelques-uns, quelques-uns. Alex aussi. Alors, Team Chess, forcément, comme il est trop fort, forcément, il a trouvé. Voilà. Il a trouvé. Il a mis forcément, je l'ai. Ah, bravo, cavalier H5, qui a été mentionné quelques fois. C'était plus difficile déjà, hein. Cavalier H5, sacrifice du cavalier. Deux possibilités pour les noirs. Prendre ou bouger le roi. Alors, si il prend, on a Dame F6 échec, Roi G8. Et c'est pas tout à fait le même mat que tout à l'heure où on avait fait Cavalier H6 mat. C'est Cavalier E7 mat, c'est presque pareil. Hein. Presque pareil, c'est la dame qui surveille les cases noires et le cavalier s'occupe de la case blanche où se trouve le roi. Donc, la complémentarité entre la dame et le cavalier. Hein. Je ne l'ai pas encore dit. Mais le duo dame-cavalier qui est réputé pour être un duo d'attaque redoutable, parce que les deux pièces sont très complémentaires. Alors, on revient en arrière. Cavalier échec, s'il prend pas, fait roi G8 peut-être. On fait cavalier E7 quand même. S'il vient là, oups, il n'a pas le droit. Il vient là, échec au roi, il est obligé de mettre son fou, et on fait un prend mat plus classique. Voilà. Alors on demandait pourquoi pas cavalier G4. Alors cavalier G4, il y a de l'idée. C'est peut-être très fort comme coup. Ça a l'air menaçant. Parce que s'il prend d'un côté, on va mater de l'autre côté.
trouve ça assez drôle. Et s'il prend le cavalier en G4, on va faire le maître comme Ouais. ça. C'est très C'est peut-être sympa. alors, justement, ça nous oblige à être. Est-ce qu'on a une manière justement. Ah, fou G5 intermédiaire, Pour peut-être. embêter. Libérer la case H6, comme ça après prise, on peut faire fou prend G4, on supprime le bon cavalier. Oui, Et et sur dame maintenant on F6, peut on a roi s'enfuir, H6. essayer de s'enfuir en tout cas. Et oui, on limite la case peut-être. Ouais, En fait, c'était pas mal certains dans le tenté. chat sont là pour nous tester, je crois, pour Ouais, c'était tester un si on bon n'est pas des test là. imposteurs. Ben merci, hein, j'avais pas vérifié cette variante. Non, Allez, mais hop. effectivement, après, c'est risqué de faire. Quand vous faites pas sur échec, vous prenez le Ouais, risque qu'il y ait beaucoup la plus de coups candidats en différence défense. de cavalier G4, c'est qu'il a, ouais, il peut réfléchir à quel coup il va faire. Il a beaucoup de possibilités, alors que quand on fait échec, il en a que deux ou trois. Et ça, c'est pas beaucoup. Donc le cinquième et dernier exemple, non, même pas. Ouais, à moins qu'il ait sauté. Ah ouais, encore. Donc cinquième et dernier exemple, c'est les blancs jouent et gagnent. Alors là, je vous donne directement la réponse. Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la pause. Je pense que à peine la position est apparue, certains joueurs ont déjà trouvé une idée, même s'ils n'ont peut-être pas calculé toute la suite. Donc, tour prend G7, le sacrifice de tour. On a bien envie de faire fonctionner le cavalier et la dame ensemble avec cet échec double. Voilà, l'échec double, très pratique, qui permet de faire échec, même si une des deux pièces, ou les deux d'ailleurs, sont en prise. Donc, oui, la tour aurait pu prendre la dame si c'était un simple échec à la découverte, mais c'est pas un simple échec à la découverte, il y a double échec. Et double échec, il peut rien prendre, il est obligé de bouger son roi. Il peut ni prendre le cavalier, ni prendre la dame, puisqu'il serait encore échec. Donc, il bouge son roi. Alors, il a plein de possibilités avec son roi. Quatre coups possibles ici, mais dans les quatre cas, il se fait mater. Le plus compliqué, c'est roi F7, dame G7, roi là, parce que là, il fallait voir qu'on allait prendre la tour parce qu'elle était plus reliée avec sa collègue. Donc un joli mat avec la dame. Et si il va sur H6, on va faire un mat très très connu avec la dame et le cavalier. Voilà. C'était pareil sur G6 d'ailleurs. Voilà pour celui-là, je l'ai passé rapidement. On enchaîne avec maintenant le duo cavalier-tour. Non plus cavalier-dame, mais cavalier-tour. Donc les blancs jouent et gagnent. Je vous fais pas chercher ça, je vous fais pas l'affront chercher ça. Donc cavalier F6, un coup bien sûr très logique, on menace tour prend échec et mat et les noirs n'ont aucune solution satisfaisante pour se défendre. Donc c'est le fameux mat arabe. Donc quand le roi est dans le coin, voilà, avec juste un cavalier et une tour, on peut fabriquer un mat. C'est pas si facile de fabriquer un mat avec seulement deux pièces. Surtout s'il y a un cavalier parmi les deux, mais là on peut. Donc très joli. Ouais, ça Voilà. rappelle du coup l'importance d'avoir un cavalier sur ces cases-là, en hein, sixième rangée aussi proche. C'est vraiment essentiel. Oui, voilà, ça fait une liaison avec ce qu'on disait au début. Ces quatre cases qui sont fantastiques. Hein, dans une des masterclass de l'année dernière, il y avait un chapitre, c'était le cavalier en sixième rangée. C'est la fameuse phrase du premier champion du monde d'échecs, Wilhelm Steinitz, qui avait été rappelé sur le chat tout à l'heure. Donc le chat très en forme. C'était donnez-moi un cavalier en sixième rangée et je gagnerai toutes mes parties. Ouais. Tout petit peu exagéré, la phrase. Oui, effectivement. Allez, deuxième exemple avec cavalier tour. À vous de jouer cette fois. On va voir si vous êtes rapide. Et en bonus, il faut me donner le nom du mat. Et mince, il est écrit sur l'écran. C'est dommage. Je vais essayer de l'effacer pendant que vous ne l'avez pas vu. Alors, Team Chess qui parle beaucoup en anglais. Ainsi que Thomas. Ah, peut-être qu'ils apprennent en anglais, du coup, ils retiennent en anglais. Merci à Gérald, à Alix qui disent qu'ils ont trouvé la solution, mais sans noter la solution. C'est sympa pour les joueurs à qui est destinée cette masterclass, niveau débutant intermédiaire. Ah, je vois passer des noms de Disney là, apparemment. On a changé de. Effectivement, c'est oui. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais effectivement, c'est peut-être un bon Disney. Ah, bien joué, c'était bien trouvé sur le chat. Cavalier E7, échec, le roi doit aller dans le coin. Et là, le coup spectaculaire, le coup de tonnerre. Dame prend H7, on sacrifie la dame pour ouvrir
le roque de l'adversaire. Et on fait ce mat d'Anastasie très Très beau sympathique mat, ouais. avec le cavalier qui surveille les deux sorties du roi et la tour qui prend toute la colonne H. Colonne H dont on avait parlé la semaine dernière avec l'attaque anglaise. Donc très sympa ce mat d'Anastasie. Ouais, c'est rigolo parce que finalement, on peut associer ça à un mat du couloir, mais du coup, au lieu d'avoir un mat du couloir horizontal, on l'a finalement un peu Vertical, vertical. ouais, avec le cavalier qui donne un super coup de main. On peut faire la même chose en horizontal d'ailleurs avec le cavalier qui surveille les deux, hein. Un mat sympa, pas facile à faire quand même hein, dans des parties. Hein. Je crois que j'ai eu la chance de le faire une fois en partie qualificatif il y a 15 ans, 15 20 ans. Mais sinon, je ne m'en souviens pas. J'en ai pas plus, je crois. Alors, troisième exemple, je vais vous remettre l'en-tête qui a disparu. Hop, la voilà. À vous de jouer. Vous avez les blancs jouent et gagnent. Partie assez Le serrée mat de jusqu'à la présent. cheminée. Ah, je ne connaissais pas ce terme, mat de la cheminée. De Vous la aviez. cheminée, alors j'ai jamais entendu, Ah, c'est mais. assez visuel. Ouais, non, mais. Moi j'avais le crochet, voilà, qu'on n'utilise pas non plus beaucoup. Mais cheminée, jamais entendu, mais ça m'intéresse toujours, des nouveaux noms. Voilà. Alors peut-être cheminée, c'était. Ah, c'est peut-être le mat D'avant? d'Anastasia. Ouais, Ah peut-être. ouais, peut-être, ok. C'est plus Est-ce la que cheminée, ça, Xavier ouais. peut préciser un peu d'où lui vient. Peut-être La que cheminée, c'est. c'était celui-là ou le suivant? Ouais, peut-être, Ouais, c'est plutôt possible. celui-là, j'imagine. Il y a peut-être, c'est peut-être Kevin qui lui a appris ça. Possible. Alors le mat Il du nous dira sur le crochet, chat. le mat du crochet, bon honnêtement hein, que j'entends pas beaucoup dans les clubs et ni dans les livres ou dans les vidéos, mais je crois qu'en anglais ça se dit un peu plus. Ça permet de donner un nom supplémentaire. Thomas qui nous dit le mat du lynx. Oui, c'est amusant parce que maintenant on a laissé la porte ouverte. Ouais, tu On va avoir es, droit à plein de noms il renomme les mats quoi. exotiques. Alors oui, pour les joueurs qui sont plus que qui ont rejoint en cours de route, hein, qui sont plus que 1500, 1600 Elo, vous pouvez dire si vous avez trouvé, vous pouvez dire j'ai trouvé, mais essayez de laisser les autres joueurs répondre. Mat du pachyderme. Pachyderme à trois pattes, voilà, ça se complique là quand même. Voilà, exactement. On lui a pas laissé finir. Mais effectivement, le chat est en feu là. Ouh là là, oui. Alors en tout cas, merci de nous suivre, hein, y a du monde. Donc, dame prend F8, échec, alors qu'on se rapproche de 22h. Roi prend Ouais. F8. On sacrifie la dame. Je suis passé un peu rapidement sur ce très joli coup. On a l'impression que le roi est bien protégé par ses pions et sa tour là, mais on va casser sa défense avec dame prend tour. Il est obligé de la prendre, même s'il n'avait pas voulu. Et c'est la tour qui vient donner échec et mat en deux coups. Alors, deux possibilités pour le roi, mais dans les deux cas, il se prend le mat du crochet. Donc, roi G7. Tour G8. Alors pourquoi le crochet? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plutôt le cavalier qui fait le crochet en protégeant la tour ou si c'est le pion qui fait une sorte de crochet qui protège le cavalier qui surveille la sortie. Ou peut-être un double crochet. Trop avancé pour moi ce concept. En tout cas, c'est mat. Et si roi E7, c'est le mat du crochet encore. Voilà. Très sympa parce que c'est le cavalier qui surveille la sortie, le pion surveille la sortie. Donc c'est aussi la collaboration entre les pièces. Hein. Souvent, faire un mat, c'est ça, c'est de réussir à faire collaborer les pièces correctement ensemble pour réussir à coincer le roi. Et là, tout le monde travaille entre notre Alors, pièce. c'est intéressant, si on peut rajouter un point, c'est que là, on a quasiment l'obligation d'avoir un pion en plus pour aider, Oui. puisque le roi est plus centralisé. Le roi étant plus centralisé, il est plus dur à piéger, il a plus de cases. Donc, grâce au pion, on peut faire mat, mais le matériel reste quand même réduit, hein. Ouais, c'est juste qu'on ne peut pas faire mat avec tour cavalier, effectivement, sur un roi qui n'est pas sur le bord. Si on a juste Ça va tour pas être cavalier, simple. à moins d'être aidé, Sauf s'il évidemment, est par tout fait. Ouais. des pièces de l'adversaire, mais sinon, c'est dur. Allez, celui-là, ce sera en exercice. Celui-là, aussi. Allez, hop. Et on passe à cavalier fou, pour changer un peu. Voilà, maintenant le duo cavalier fou. Les blancs jouent. Et gagne, n'hésitez pas à mettre la pause si vous regardez en différé. Bien joué Nina, c'était la bonne réponse. Alors que Alix et Tim Chesky dégainent plus vite que leur ombre ont déjà trouvé. Ainsi que les deux Maximes.
Alors, maître Pierre qui joue Pierre et prend E6, mais c'est vrai que ça menace mat, mais il va y avoir dame prend dame, simplement. Alors, il y a du dame H8 proposé, il y a de Ah, l'idée. aussi, Coup c'est intéressant spectaculaire. aussi d'expliquer, ouais. Mais s'il fallait s'arrêter sur la case précédente. Voilà, dame G7 échec. Alors pourquoi? Eh bien, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on attire le roi, donc c'est un sacrifice d'attraction, pour attirer le roi dans un endroit où on va faire échec double. Alors, faut pas se tromper, on a le choix entre deux échecs doubles. Il y en a un qui fonctionne, mais pas l'autre. Alors, faut bien choisir. Donc, il s'agit de cavalier F5 échec double. Voilà, alors c'est la force de l'échec double. Il ne peut pas prendre du tout le cavalier, puisqu'il y a aussi échec avec le fou. Et il ne peut pas sortir aussi, très important. Tout à l'heure, Antoine a réussi à sortir avec son roi sur cette case dans l'autre exemple. Mais là, il ne peut pas. Et le roi doit venir sur G8. Et là, magnifique, vous avez le choix entre deux mats. C'est plutôt rare. Vous n'avez plus de dame, mais vous avez deux façons de faire mat. Soit sur le côté, donc cavalier au bord, cavalier fort, hein, puisque échec et mat, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort, quoi. Et cavalier E7. La fourchette royale triple mat. La totale. Je pense que Voilà. les puristes choisiraient d'aller plus au centre et peut-être les plus, on va dire, les plus créatifs iraient sur le côté pour bousculer un peu les codes. Pour dire cavalier au bord, justement. Voilà, regardez ce J'aime bien roi. des fois proposer aussi à mes élèves, leur demander quand ils ont le choix entre deux maths, voir quel type de maths ils préfèrent, juste pour les connaître un peu mieux, savoir s'ils sont plus attirés par l'un plus que par l'autre. Voilà, donc là c'est un beau mat et bien sûr cavalier E7, Plus c'est beau la cavalier même 7, chose, c'est apparemment. mat et on n'aura pas le temps de prendre quelque chose pour que le mat met fin à la partie. Voilà, on continue avec cavalier fou avec cette position plus difficile. Les noirs se disent, bon ben je vais prendre en F3, ça a l'air pas mal. Et là, le ciel leur tombe sur la tête. Les blancs jouent et gagnent. Plus difficile, donc ceux qui sont plus de niveau plus avancé, n'hésitez pas à tenter votre chance pour celui-là spécialement. Oh là, Team Chess qui est un ordinateur en fait, hein. Je ne sais pas trop comment Team Chess peut être seulement 1550 Elo. Je suis très Alors, impressionné. on va peut-être lui demander une photo, justement, pour être sûr Une carte que ce n'est pas d'identité. un module, une carte d'identité. Si ça se trouve, nous avons, voilà, À nous moins avons. qu'il s'agisse du futur champion du monde, ce qui quand même serait une bonne nouvelle. Oula, plusieurs bonnes réponses sur le chat. Bien joué. Bravo à vous, c'était pas facile. Alors pour ceux qui regardent en différé, j'ai pas donné la réponse, donc n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher, ça vaut le coup. Très bel exercice. Une partie qui a été jouée en 1970. Oui, j'ai pas dit, mais vous voyez, quand vous voyez une petite date en dessous du titre, là, ça veut dire que c'est une vraie partie qui a été jouée. Et vous avez l'année, même si j'ai pas mis toujours le nom des joueurs. La plupart du temps, les joueurs n'étaient pas bien connus. Donc ça présentait pas grand intérêt, à part surcharger l'en-tête. Mais en tout cas, ça est arrivé dans des vraies parties de tournoi. Alors, cavalier E7 qui est proposé, c'est vrai que c'est un échec possible, mais après roi, cela dit, c'est peut-être pas si mal. Pourtant, je crois que c'est réfuté. Ah ouais, c'est peut-être, on va peut-être se prendre une petite réfutation inattendue. Je montrerai après. Alors, en tout cas, ceux qui avaient trouvé Dame Ah H6, oui. bravo. Dame H6, félicitations. Un coup bah, quand même très inattendu, hein. On sacrifie la dame. Et puis, en plus, il faut tenir compte de plusieurs réponses, comme fou prend cavalier, fou prend dame, fou prend fou, dame prend fou. Donc là, on est obligé de calculer beaucoup de choses pour vérifier si ça marche. Alors, s'il prend la dame, c'est le plus facile, hein, puisque c'est un mat qu'on a déjà vu tout à l'heure, avec le fou qui surveille les deux cases noires et le cavalier qui surveille la case blanche. Donc là, pas de problème, on fait notre mat avec fou cavalier. Mais attention, il fallait calculer beaucoup de choses. Si il fait fou prend F6, on va faire cavalier prend F6. On avait déjà vu cette collaboration tout à l'heure. Bien sûr, le pion, très important, va nous servir ici pour faire le mat de l'Oli, dame G7, imparable. Si il prend de la dame, alors faites très attention quand vous sacrifiez comme ça. Calculez les contre-sacrifices, notamment de dame, hein, puisque vous pouvez vous faire avoir parfois. Mais là, c'est cavalier prend échec. Donc grâce à l'échec, vous allez gagner quand même. Sur roi, là, il y aura dame prend pion mat. Et s'il prend, bah, c'est la même chose. Le mat en G7. Alors, on peut aussi vérifier fou prend D5. Mais il y a juste dame prend G7 mat. Alors pour ceux... Oula, ça s'emballe complètement sur le chat là. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir passé les 22 heures, mais je vois 8 smileys sur l'écran là. Concentrez-vous Le un peu pétage de là. plomb.
Concentrez-vous là, on est. C'est pas parce qu'on fait des maths que. Je sais que c'est pas si facile de faire maths aux échecs, mais c'est pas parce qu'on veut en faire une dizaine de suite qu'il faut s'emballer comme ça. Concentrez-vous, on va revenir sur la stratégie après, ça va vous calmer là. Donc pourquoi pas cavalier E7? Pourquoi pas cavalier E7? Intéressant comme coup, bien sûr. Et si vous, La surtout si vous réputation est avez l'idée sympa, dame ouais. H6, surtout si vous avez cette idée, parce que bon, maintenant il peut plus vous prendre, il est cloué, donc c'est sympa. S'il prend sur F6, vous avez un chouette mat avec dame prend tour. Le fait qu'il n'ait pas sorti son cavalier, hein, donc n'oubliez pas de sortir vos cavaliers en début de partie, sinon ce genre de choses peut vous arriver. Et par contre, il vous réfute. Voilà, Team Chess toujours là. Team Chess au top Dame du prend top, F6, ouais, bien qui sûr. réfute avec dame prend fou. On sacrifie sur le fou. La dame n'a plus rien à faire, le cavalier non plus. On n'a pas grand-chose d'autre à part prendre. Et maintenant, il prend là. Alors certes, on reprend à la fin. Mais bilan, on a une pièce de moins. On a perdu une pièce. Donc on s'est fait avoir. Alors Xavier et Jules qui doivent partir. Merci beaucoup pour les remerciements. Et à bientôt. Revoir. Et oui, à demain. Et on continue avec ce troisième exemple. C'est Bent Larsen, si j'ai bonne mémoire. J'aurais pu mettre le nom pour le coup. On tourne l'échiquier. Et accrochez-vous, les noirs jouent et gagnent. Et faites attention à ce que peuvent faire les blancs. Très joli aussi. Esus qui nous dit Team Chess n'est pas un ordinateur. Ok. Après, il y a des ordinateurs à tout niveau, hein. C'est peut-être il y a des ordis à 2000, 2002, 2004. Crafty, peut-être. Es-tu Crafty, Team Chess? Ou Comète. Comet? Comet aussi. Ou Craftmet, je ne sais pas, une association des deux, j'en sais rien. Alors, fou prend F3, il y a de l'idée malheureusement, c'est réfuté, malheureusement ça marche pas. Fou prend F3, c'était la fausse piste. Et bravo à tous ceux qui ont trouvé cavalier H3 échec. Est-ce que vous avez trouvé la suite? C'est ça. Parce que c'est bien beau de donner le premier coup, hein, mais. Ok, il y a Thomas qui a trouvé la suite. Bien joué, Thomas. Thomas, je crois qu'il est 1800, si j'ai bien lu. Je suis pas sûr, mais. C'est vrai que. Maxime qui se la joue un peu évidemment, cavalier H3. Évidemment. Guillaume, il a trouvé cavalier H3 aussi. Et Max... les deux Maximes qui précisent le deuxième coup. C'est surtout ça qui est important. Hein. Donc, bien joué. Cavalier H3, échec. Alors, bon, s'il prend. Certes, on prend sur F3, ça à la limite, j'ai envie de dire, certes, même s'il fait un petit échec, on s'enlève et on va mater, ça c'est sûr. Mais ce qu'il fallait voir, c'était sur Roi H1. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le coup gagnant, il n'y en avait qu'un seul, c'était Dame prend F3. Magnifique. On sacrifie, sur pion prend, on fait notre fameux mat, pardon, avec fou cavalier. Je suis pas sûr qu'on l'avait déjà vu sur cette forme-là. Et puis, bah, il peut faire son échec intermédiaire, mais on fait roi F8 encore. Et il n'a plus d'échec. Et on va mater. Donc la fausse piste, c'était fou prend F3. C'est vrai que s'il fait pion prend, vous allez mater. Vous allez faire échec. Après, vous allez mater en G2. Donc ça, c'est vrai. Problème, il va vous placer tour prend F7. Et soudainement, même si vous faites un coup comme dame G5 pour essayer de mater, il va vous faire la découverte. Voilà, il contre. Donc. Toujours vérifier les contres de l'adversaire. Et là, ça ne marcherait plus. Ok, pour cavalier fou, on continue. Alors, juste, je réponds à une question. Non, je suis pas demain sur le live. C'est, j'ai un de mes élèves avec qui je D'accord. travaille sur Skype qui était là, donc c'est pour ça, je ne serai pas Ok. là demain sur le live. Alors, Louloulou. Ok, ça, je vous laisserai chercher. Allez, on passe à deux cavaliers. Je vous l'avais promis. Les deux cavaliers qui vont collaborer. Premier exemple très sympa. Dame H7 échec. Il est obligé de prendre. Cavalier F7. Voilà. Les deux cavaliers qui font mat. En général, ça se passe comme ça. Et il y a collaboration de au moins une ou deux pièces adverses qui bloquent le roi. Voilà. Bon, mais imaginez qu'on enlève la dame. C'est quand même mat. Hein. Voilà. Allez. Le deuxième, il est pour vous. Il est pour vous. C'est C'est Paul cadeau. Morphy. J'ai entendu Paul Morphy sur le chat tout à l'heure. J'ai lu plutôt. Il avait les noirs. Il a joué cavalier CD4. Il amène les cavaliers pour essayer d'attaquer le roi. Les blancs jouent dame E4.
Et là, c'est à vous de vous faire la main. Les noirs jouent et gagnent. Mais là, c'est niveau plus haut niveau mondial. Paul Morphy contre un certain Napoléon Marache en 1857 aux États-Unis. Alors que Thomas citait Paulsen, mais c'est pas Paulsen cette fois-ci, c'est Marache qui avait les blancs. Il porte bien son nom, du coup, par rapport à cette partie, finalement. Team Chess qui l'a. Alors, Adi qui nous propose une étude. Je sais pas. Sais pas si. Qui est peut-être dans le thème d'ailleurs, c'est toujours un cavalier. Mais... Il y a une contre-masterclass là qui est fait dans le Masterclass chat. parallèle. Alors, cavalier H4, malheureusement, il va échanger les dames. Et puis, de toute façon, la dame surveille. Donc, on menace pas mat en G2. Cavalier F3, cavalier E2, ça va pas trop marcher. Il est difficile celui-là, nettement plus difficile. Je crois pas qu'il ait été déjà écrit sur le chat. Ouais, je crois que j'ai vu apparaître Ah, à il un y a moment. Maxime Gonçalves qui a donné la bonne réponse. Alors Elle que avait été dit aussi, ouais. Samir demande pourquoi il y a seulement 36 pouces vers le haut. Excellente question. Oui, c'est vrai, on se demande. Bon, on n'attend pas 72 ou 70 pouces vers le bas, désolé, Avant, mais. on attend que ça monte à 70 pouces vers le haut pour continuer la masterclass. Il va falloir ramener Ah, du monde là. c'est des méthodes autoritaires, mais ça peut fonctionner. Ça peut marcher, hein. Alors, Team Chess qui nous dit, je l'avais déjà vu dans sa partie. Bien vu. Allez, on y va. Maxime, oui, tu peux donner ta réponse. Bravo, il y a eu plusieurs bonnes réponses sur le chat. Maître Pierre qui a trouvé ce mat très très rare. Cavalier G3. Un coup qui sort de Ouais. nulle part, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire dévorer par trois pièces différentes. Et en plus, il peut piquer notre dame. Là, on se dit comment on va faire mat sans dame. Et justement, c'est toute l'idée. Après, dame prend dame. On reprend pas la dame. Et on fait ce mat extrêmement élégant. Cavalier DE2 mat. Alors là, pour le coup, si vous arrivez à faire ça dans une partie de tournoi, félicitations. Hein, parce que c'est très dur à faire. C'est très très rare. Et vous allez en plus souvent surprendre, parce que dans les parties, souvent quand il y a un beau mat, les gens ils regardent les parties aux alentours. Je vous assure que les joueurs s'arrêteront et regarderont votre partie Les en joueurs se frottant les yeux, en se demandant ce qui s'est passé. vont vous jeter des pièces d'or. Voilà, exactement. fallait pas calculer seulement dame prend dame. Bon, le problème c'est qu'il peut pas prendre le cavalier parce qu'on lui pique sa dame. Et il serait embêté. Alors c'est vrai que ça ferait pas mat, mais quand même on piquerait la dame. Alors par contre, il peut revenir là. On fait quand même cavalier échec et il doit donner sa dame. Et là, voilà. En plus, on pique le fou dans la foulée, tout en menaçant mat, donc c'est la totale. Et Ouais. j'avais mis une petite fin de variante qui était tour G1. Il y a le petit coup sympa, tour D1, on cloue la tour et on veut la dévier aussi pour faire dame prend mat. Voilà, c'est mat en 2. Quoi qu'il arrive, même en cas de G3 par exemple, on peut faire dame échec, hop, et c'est mat. Voilà. Pour cette sympathique partie de Paul Morphy, le grand champion américain du 19e siècle. Ça, c'est une position très sympa que vous aurez peut-être en exercice. Et on termine ce chapitre avec cavalier pion. C'est Antoine qui m'a envoyé cet exemple. Voilà, ça lui a fait penser. Donc c'est les noirs jouent et gagnent. Faites-vous la main, une partie qui a été jouée en 1992. Les noirs jouent et gagnent. Nous, jouent et matent plutôt. Donc, ceux que j'ai déjà en cours, à qui j'ai montré cette position, n'hésitez pas à ne rien dire, évidemment, pour ne pas gâcher. Maxime, je crois que je te l'avais peut-être montré, Maxime. Je ne sais plus. Mais voilà, donc. Alors Guillaume qui propose un premier coup, est-ce que tu as la suite, Guillaume? C'est ça qui est intéressant. Cette partie a bien existé en plus, donc ce n'est pas une composition. Et Thomas qui a donné la vente complète avec une erreur de notation cependant. Voilà.
Ce ne sera pas 100% des points. Ah, je n'ai pas encore. Ah Anthony oui, qui effectivement. devrait préciser sa variante car elle n'est pas complète. Team Chess qui n'est pas précis car elle dit qu'il y a maté étouffé à la fin, alors c'est semi-étouffé. Alors on va. Semi-étouffé, Non mais on va la monter le nuance est niveau là. importante. On va devenir plus sévère, on va monter le niveau. Vous allez Voilà. progresser là. Hein. On donnera la moitié des points en cas de réponse incomplète. Ouais, seulement la moitié. Ça mérite pas plus. Hein. Alors bravo, il y a eu au moins 2-3 bonnes réponses, mais c'était nettement plus difficile. Alors si vous êtes en différé, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le mat en 5 coups des noirs. Ça commence dame échec. Évidemment, il va pas faire roi là, puisqu'il serait mat immédiatement. Il va aller Ce serait de l'autre. décevant d'ailleurs que Ouais, très l'adversaire décevant. se fasse mater comme ça. Très décevant. Oh, peut-être qu'on pourrait être plus. Se dire, ah, Le penser. il nous déçoit, on va faire un autre mat. Tour Bon. cavalier, bon, il y a le Ouais, pion aussi, avec le oui. pion. Ouais, le pion Ouais. superflu, pour le coup. Voilà, oui, c'est Cavalier ça. G2. Et là, l'échec double. Donc, l'échec double qu'on avait vu tout à l'heure. Encore lui. Bon, toujours pas roi Encore être G1 à frustrant, cause du mat. effectivement. Voilà. Et là, le clou du spectacle. Clou du spectacle qu'il fallait voir au départ, qui n'était pas facile à voir. Parce que si on l'a pas, ben, on peut seulement faire match nul, finalement, en quelque sorte, avec la répétition. Mais là, on joue le sacrifice de dame, encore un. Hein. Dame F1, il est obligé de prendre. Et on fait cavalier G2, semi-étouffé, car, regardez, il y a une case libre, c'est juste qu'on la contrôle avec un pion. Donc voilà la petite collaboration cavalier-pion qui vous a été proposée par Antoine. Alors, juste petite précision, j'ai tendance à dire à mes élèves, si vous voyez dans votre calcul un type de maths qui est vraiment très beau sur l'échiquier et que vous n'avez rien de, enfin, vous n'avez aucune animosité envers votre adversaire, n'hésitez pas à vous laisser mater de cette manière sur l'échiquier. Des fois, c'est trop beau, faut le laisser apparaître. Abandonner un coup avant, c'est dommage. Oui, on voit souvent des joueurs qui abandonnent, soit parce que voilà, tout simplement ils abandonnent de bonne foi, ou alors ils veulent pas se laisser mater. Mais on sait que quand même le but du jeu c'est faire mat. Alors si vous considérez que votre adversaire voilà a fait une belle partie, une belle combinaison, bah vous pouvez le laisser mater, ça n'engage à rien. Vous pouvez le faire avec le sourire, tout le monde est content, votre adversaire est content de mater, voilà vous êtes content de le laisser mater. C'est les échecs collaboratifs. Alors d'ailleurs, à ce propos, il y avait une dernière anecdote par rapport à ça. J'ai fait ma dernière norme de maître en crête. Et lors de la dernière norme, je fais ma norme de maître à la ronde 8. Donc une ronde avant la fin, je joue ronde 9 contre un jeune maître russe, Anton Smirnov, qui devait me battre à tout prix pour faire sa norme. Du coup, bah, moi, j'ai essayé de faire une très bonne partie. J'ai fait une très bonne partie, j'étais mieux un moment, mais après, il m'a dominé sur la fin. Et je vois un thème de maths très beau, je sais qu'il le voit aussi, j'allais abandonner, plutôt que d'abandonner, bah je rentre dans cette variante et il finit par une sorte d'étouffée avec deux tours, j'ai toutes mes pièces autour. Donc finalement, je trouvais ça amusant de se dire que lui, on réalise tous les deux notre norme et lui, il réalise sa norme dernière ronde avec un tableau de maths fantastique. Du coup, voilà, c'est une manière de dire, bon, voilà, Toute façon, c'est si vous avez mérité. perdu, vous avez perdu. Ça change rien d'abandonner ou de vous faire mater. Ça change strictement rien. Donc, autant à la limite laisser faire le beau mat. Exactement. Allez, Tant que dernière vous ne vous retrouvez pas. position pour ce chapitre un peu plus difficile. C'est une étude. Donc, les études, c'est plus dur. C'est Trotsky, le maître de la composition, qui vous a proposé cette position en 1898, donc une position qui a 122 ans. Et c'est les blancs jouent et gagnent la partie, alors même qu'ils ont cavalier fou contre fou de pion. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand c'est comme ça fait un match nul. Mais là, il y a une situation très très particulière qui a été composée, qui a été fabriquée volontairement par Trotsky, le compositeur. Et donc si vous regardez en différé, alors là, n'hésitez pas vraiment, je le dis à... Je l'ai dit plusieurs fois, mais là, comme c'est une étude, ben, n'hésitez pas carrément à non pas mettre la pause, mais à fermer votre ordinateur et vous allez étudier cette position sur un échiquier. Et si ça vous prend 30 minutes, ça vous prend 30 minutes. Voilà, Ouais. pour trouver la réponse. On va essayer de trouver toutes les possibilités, comment gagner la partie à coup sûr. Il n'y a pas forcément maths, mais en tout cas, on gagne la partie d'un point de vue théorique. Alors qu'il y a déjà beaucoup de réponses qui sont apparues sur le chat. Attention, Gérald Diapamat. Attention, Maître Pierre, je crois aussi que vous avez pensé mater comme tout à l'heure, mais il n'y a plus la tour.
Il n'y a plus la tour sur F8, donc il peut partir par là, faites attention, vérifiez bien. Ne jouez pas Ouais. trop par automatisme. Alors, Thomas qui a le bon début. Bon début. Faut-il savoir mater avec deux pièces? Effectivement, deux pièces légères. Dans... Tout à Mater avec fait. cavalier fou, c'est une autre histoire. Tout à fait, Maxime. Mate avec cavalier fou qui se produit dans une variante. Donc, cavalier H6, on menace mate en 1. Donc, déjà, c'est bon signe. On oblige l'adversaire à se défendre contre cette menace. Donc, il a plusieurs défenses. Alors, s'il ne se défend pas, bon, on est content, hein. On fait mate, là, il n'y a pas de problème, on l'avait déjà vu. Mais, bien sûr, il a envie soit de sortir son roi, auquel cas, il se prend la fourchette. Donc, là, il n'est pas content. Il perd son fou. Et c'est là, effectivement, où il y aura. Une obligation pour les blancs, déjà d'attraper les pions, qui n'est pas forcément toujours facile. Et puis après, de faire le mat avec fou cavalier, qui est un mat très difficile. Donc n'hésitez pas à l'étudier si vous avez envie de savoir comment le faire. Mais c'est vrai que c'est une variante qui oblige à faire ce mat. Mais s'il veut pas donner son fou, il fait fou F8. On fait échec, il met son fou en bouclier. On amène le roi. Alors là, voilà, c'est là où ça devient sympathique. C'est-à-dire que si jamais il échange les fous, le roi vient, il ne peut plus bouger, il est coincé. Voilà, on l'a complètement coincé avec un cavalier et un roi. Il est obligé de bouger son pion. Et on n'a plus qu'à venir préparer le mat avec le roi. Voilà, tranquillement, il ne peut rien faire. Et on le mate comme ça avec roi-cavalier. Donc le duo roi-cavalier, pour une fois, qui permet de faire mat. Donc très sympa. Et alors, si il est malin, il se dit non, bah, je ne vais pas prendre. Je vais d'abord pousser mon pion. Puisque de toute façon, les blancs ne peuvent pas faire un mat spécialement ici. Et les blancs, ils continuent. Ils montent le roi. Le pion pousse. Ils montent le roi. Qui menace fou, prend fou mat. Alors là, ce serait un mat avec le fou roi. Fou et roi pour le coup. Du coup, il est obligé de prendre. On prend le fou. Il pousse. On recommence. Il pousse. On recommence. Il fait sa dame. Mais on a tout prévu. Et on fait cavalier F7 mat. Voilà. Pour cette étude de Trotsky, très sympathique, avec un mat finalement roi-cavalier contre dame-pion, pour finir. Ce qui conclut ce chapitre avec des mats. J'espère que ça vous a plu. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le dernier chapitre, donc on va tout de suite passer à ce dernier chapitre qui revient sur le thème de l'avant-poste, mais sous l'angle de la prophylaxie. Donc je te laisse le présenter, Antoine. Alors, j'avais déjà discuté un peu du thème de la prophylaxie. La prophylaxie, pour faire simple, c'est l'art d'anticiper les plans de l'adversaire afin d'adapter les nôtres. Si vous comprenez ce que l'adversaire menace de faire, vous pouvez justement vous adapter et jouer en fonction. Donc, cette faculté, elle est justement essentielle à maîtriser. J'ai tendance souvent à prendre l'exemple dans d'autres domaines. Que ça soit au foot, au tennis, c'est tout bête, mais au foot, lors d'un tir au but, le gardien, il essaie de saisir le moment des fois où l'adversaire, enfin le tireur, on va dire, va tirer d'un côté ou de l'autre. Alors là, c'est un peu plus dur. Au tennis, les receveurs essaient de comprendre justement sur le lancer de balle où est-ce que le serveur va tirer, et à chaque instant, ils essaient de comprendre comment l'adversaire va jouer. Aux échecs, c'est un peu pareil. Vous pouvez développer cette faculté, justement en vous posant les bonnes questions, vous dire, ben, dans ce type de position, qu'est-ce que l'adversaire menace de faire? Donc, dans la position que nous avons ici, avant de jouer notre coup, normalement, on devrait se poser les questions. Bon, ben, si c'était à l'adversaire de jouer, qu'est-ce qu'il chercherait à faire? D'accord? Si on ne se pose pas cette question, on peut très bien jouer un coup naturel, comme le coup D4, par exemple. D4, ça a l'air très logique. On avance le pion, on libère l'action du fou de case blanche. C'est très logique si on ne se pose pas forcément les questions de quel est le plan adverse. Malheureusement, le coup D4 permet justement au noir de jouer un coup puissant par rapport au thème que nous avons travaillé. Est-ce que quelqu'un voit le coup? Qu'est-ce que les noirs peuvent faire dans cette position? Alors,
C5 au basket, les défenseurs essaient de voir quand même. Ouais, aussi. Alors C5, Et Léa, toi? c'est pas un mauvais coup car t'attaques le centre. Et je pense qu'il va juste se protéger avec C3. Par exemple. F4 et cavalier H5. Donc, nous avons F4 et cavalier H5. Effectivement, F4 est le coup le plus pénible. Cavalier H5 est finalement est intéressant aussi, puisqu'on peut accéder à F4. Ça peut être aussi un coup candidat. Mais F4 est vraiment le coup le plus pénible. Parce que ça permet de gagner un tempo sur la dame et libérer la case F5. Et n'oubliez pas, si vous fixez des cases en troisième rangée, normalement, c'est là où le cavalier atteint son plein potentiel pour les noirs. La sixième rangée, c'est l'équivalent pour les blancs. Donc après F4, suivi de cavalier F5, les noirs ont un clair avantage et pourront aller sur les cases. Le cavalier, il choisira un moment où il va. Si les blancs venaient à jouer cavalier F1 pour les contrôler, évidemment, les noirs ne se jetteraient pas sur les avant-postes. Mais ça obligerait le cavalier blanc à être horriblement mal placé. Donc quand on a compris ça, on peut revenir justement à la position d'avant et se dire, tiens, on a compris que l'adversaire menace F4. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va jouer, nous, de notre côté? Normalement, ça ne devrait pas être trop, trop compliqué. Alors. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les blancs maintenant que vous avez compris le plan des noirs? Mais du coup, hop, ça spam F4 encore. Vous Voilà. pouvez coller de ce que vous... Voilà, F4. Pour éviter F4, vous jouez vous-même F4, bien sûr. Ah, voilà, on a une ligne avec que des F4, Ouais. effectivement. Une pluie de F4. Donc après F4, non seulement vous empêchez l'adversaire d'avancer, mais vous gagnez de l'activité de votre fou. J'avais dit tout à l'heure que quand on avait un fou en plus, on va dire, comparé à l'adversaire qui a un cavalier, vous essayez de valoriser votre fou. Là, vous valorisez légèrement votre fou, vous lui faites gagner quelques cases, et en plus, vous interdisez la possibilité cavalier H5, plus ou moins, puisque vous pouvez aller supprimer ce cavalier et abîmer la structure de l'adversaire. Donc finalement, le coup un peu moins au centre ici est meilleur et on peut le trouver de manière prophylactique parce qu'on s'est posé la bonne question. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir justement cette méthode de réflexion. Donc pareil, là, dans cette nouvelle position, avec les blancs, si c'était à vous de jouer, qu'est-ce que vous joueriez instinctivement ici? Trait au blanc, que jouez-vous? Au blanc. Donnez-nous votre première idée. La première idée que vous avez, ouais. Alors, Ah, Thomas qui H4. parlait pour la position d'avant. D'accord. Il y a du H4. Ah oui, c'est H5, je m'en doutais. H5, fou G4, tour H3, G4. Ah, petite baisse de régime de Ah! Team Chess qui a joué Enfin! G4. Enfin, il a Il s'est craqué. trompé. Enfin! On Après la tient notre victoire. après 1h55 de masterclass, première erreur. Voilà, faut revoir les processeurs. Petit coup de chaud. Alors, G4, H5 ou Ah, G4. il fait des blagues en plus. Il fait des blagues. Ok. Alors, H5, ça s'occupe, c'est une bonne Alors, idée, hein, ça semble cohérent. pour jouer pour l'attaque, pour ouvrir la colonne H. On avait vu d'ailleurs la semaine dernière ce coup H5 à des moments. Mais ici, on s'occupe pas du tout du plan de l'adversaire. Et dans ce dernier chapitre, il faut absolument s'occuper du plan de l'adversaire. En priorité, tout à fait. Là, le coup H5 est un coup d'homme des cavernes, j'ai envie de dire. Vous essayez de mater à tout prix. Malheureusement, vous êtes limité en matériel. Et l'adversaire, après un échange potentiel en G6, pourrait reprendre du pion F, malheureusement. Donc, ça ne fonctionnerait pas bien. On pourrait installer le cavalier en D4. Je vais vous montrer. Cavalier D4. Hop, le cavalier vient sur un très bel avant-poste central. Pion prend, par exemple. F prend. En général, on aime bien reprendre vers le centre, mais là, c'est une belle exception, puisque la colonne H est bloquée et on ouvre la colonne F, qui va permettre de prendre l'initiative, justement. Et le roi blanc, finalement, est plus en danger que le roi noir. Donc, ici, le coup H5, qui peut être très cohérent avec H4, n'est pas une bonne idée, parce qu'on n'a pas pris en compte le plan de l'adversaire. Les noirs, c'est à eux de jouer, ils vont jouer cavalier D4. Et du coup, les blancs ne doivent pas autoriser ça. Il y a des moments où vous pouvez vous dire, bah, tiens, son plan, c'est probablement de jouer un tel coup, et vous dites, son plan n'est pas bon, donc je le tolère.
Ici, Queen D4 est un très bon coup, vous ne devez pas le laisser, donc bien sûr, fou G4. Vous en profitez pour supprimer votre mauvais fou. Vous créez un clouage, ce qui l'empêche de jouer Queen D4, et vous allez, tôt ou tard, manger ce cavalier, très probablement. Vous ne tolérerez pas un cavalier en D4. Donc en plus, les noirs sont un peu embêtés, parce que sortir du clouage, ici, pas chose facile, parce que si madame venait à sortir du clouage, ben, elle ne défendrait plus, par exemple, le cavalier. Donc on pourrait envisager d'aller capturer le pion. Bon, à ce moment-là, il y aurait des 5 aussi en prise, mais le roi serait faible. Ici, il y aurait des complications, mais en tout cas, on aurait supprimé voilà, le cavalier gêneur, bien sûr. Alors, exercice suivant. Donc là, côté, très haut noir. Non. Très haut noir. Ici, dans cette position, bon, je ne vais pas vous faire beaucoup chercher sur cet exemple. Si on a compris ce que menacent les blancs, dans ce qu'on a vu dans le chapitre 1, pour dominer l'avant-poste, on veut supprimer les pièces qui nous gênent, les blancs menacent fou prendre D7. Donc évidemment, si on joue un coup comme A6, bah, fou prend cavalier, simplement. Tour prend, ou dame prend, et cavalier E5. Avec un cavalier qui dominera le fou le reste de la partie. Donc ça, on en a parlé, c'est une puissance stratégique et tactique pour le reste de la partie. Du coup, on doit être plus malin. Et au lieu de jouer A6, on comprend que l'adversaire il n'est pas venu là par hasard. Donc, il menace fou prend ou encore cavalier E5 immédiatement, hein, si c'est à lui de jouer, évidemment, puisqu'il y a un thème de clouage. Mais ce déclouer ne suffit pas, évidemment. On joue C6. Donc, C6, on interdit au fou de s'échanger contre le cavalier. Le fou doit partir. Hein, il va partir en D3, par exemple. Et à ce moment-là, le cavalier blanc ne peut pas s'installer pour le moment sur la case E5. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on évite la domination de l'avant-poste. De nouveau, on a bien anticipé justement l'idée des blancs pour mieux la contrer. Donc, allez, exercice. Les blancs jouent. Alors, on va dire que c'est en deux parties. Hein. La première partie de la réponse, c'est qu'est-ce que l'adversaire menace si c'est à eux de jouer? Qu'est-ce que vous jouez, du coup? C'est en trouvant la deuxième partie de la réponse qu'on trouve la première, finalement. Voilà, vous pouvez voir ça comme ça. Alors... Ah, c'est partagé, il y a du E4 aussi qui est proposé pour les blancs. Un pion dans le centre, en général, c'est plutôt une bonne idée. Mais c'est qu'on n'a pas trop vu la menace des noirs, qui effectivement, qui était mentionnée sur le chat également. Une des idées, ça peut être C4, puis cavalier B3 sur l'avant-poste en troisième rangée. Eh oui, effectivement. Bon, je suis content que certains se soient trompés quelque part parce que ça montre que mes exercices ont une certaine subtilité. Donc, j'ai donné un peu de fil à retordre pour certains. Donc maintenant, ça y est, ça spam, ça y est, ça s'est libéré, Ouais. le net enfin. Bien Bon. joué. Donc effectivement, si on a compris que les noirs. Donc c'est ça qui est très important pour jouer des bons coups. Hein. Souvent, c'est trouver l'idée de l'adversaire. Et c'est là qu'on peut la contrer. Évidemment, si on ne la cherche pas, c'est plus dur de la trouver. Hein. Alors, au passage, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en vraie partie, le dernier coup de l'adversaire va souvent vous donner une idée claire de son intention. À vous de savoir ce que vous en faites. Voilà, le dernier coup, vous dites, bah, tiens, il a joué ça, c'est peut-être pour telle ou telle raison. Ici, on peut rajouter quelque chose. Après le coup C4, oui, on a la case B3, mais on pouvait même aller plus loin. C'est que si les noirs jouent C4, le pion fixe aussi la case D3. Ça veut dire que probablement le cavalier noir pourra passer en B3 pour gagner un tempo sur la tour, mais il peut revenir éventuellement en C5, où ça va être l'autre cavalier. Il va passer en D7, puis en C5, puis en D3. Et du coup, en plus, l'avant-poste créé sur case blanche, sachant qu'on a un fou de case noire, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Donc ici, effectivement, les blancs devaient empêcher C4 en jouant C4. Et c'est pour ça que ici, c'est assez intéressant, parce que de nouveau, le coup au centre n'est pas le plus précis. En jouant C4, vous valorisez pleinement votre fou de case noire. C'est le fou que vous avez en plus. Quand je dis en plus, c'est une différence, hein. Vous avez un fou, et lui, il est en cavalier. Donc votre fou de case noire va rayonner sur la diagonale et rien ne vous empêche de préparer une poussée E4-5 plus tard. Mais il faut bien commencer par C4.
Maintenant, le cavalier A5 est un peu au bord et plutôt inactif, on va dire. Il attaque un peu C4, mais qui est globalement bien défendu. Ouais, le cavalier de la panneau qui va rester là. Ouais, le pauvre cavalier au bord, là, cavalier à moins Là, 3. c'est vrai, là. Allez, deuxième exercice pour vous, le trait au blanc. Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la pause. À vous de jouer avec les On blancs. identifie. Voilà. L'idée des noirs. Et après, vous proposez le coup côté blanc. Ah, mais les plus forts, ils se lâchent là. Ils disent plus j'ai, hein. Ils mettent la réponse Ouais. directe là. Ils disent plus j'ai la réponse, hein. Ils balancent là. Hop, ils se lâchent. C'est Ils ça, il sentent est que c'est la tard, fin là. voilà. Ils sentent que c'est la fin. Ils se disent oh, allez, on tente. Allons-y. Bon, en tout cas, bien joué. Vous avez trouvé. Alors, Plutôt. souvent, ce qui... Ouais, Oui, non, non, vas-y. vas-y. J'allais dire, ce qui est amusant, c'est que cet exercice, des fois, il peut être plus compliqué. J'ai tendance, des fois, à mes élèves, à leur dire... Voilà, tu as 5 secondes ou 10 Ouais. secondes, je leur mets un temps très court pour trouver un coup, et comment dire, directement, ils ne vont pas penser à l'idée adverse, ils vont proposer un coup, et après ils vont se rendre compte que la première idée ne fonctionne pas bien parce que l'adversaire, justement, a une idée puissante. Donc si vous avez un laps de temps court, n'hésitez pas en priorité à regarder qu'est-ce que l'adversaire veut faire d'abord. Donc effectivement, la menace est bien Kg 5. Le cavalier veut accéder à E4. E4, c'est une case, c'est le Graal en fait pour ce cavalier qui serait super bien centralisé. Il y aura un thème de fourchette, une attaque sur la faiblesse C3 et il défendrait F6 qui est attaqué sur colonne ouverte. Donc ce cavalier, il faut vraiment voir Kg5 venir. Ce cavalier pouvait également passer par D6. Malheureusement, D6 était très bien contrôlé par le fou A3 et la dame G3. Donc ce cavalier ne peut pas accéder par là et à vous de piquer l'autre case. Et du coup, après H4, ce cavalier, finalement, reste mauvais. Vous avez identifié sa menace. Par moment, vous pouvez facilement louper une idée adverse. Il suffit d'un coup pour oublier que l'adversaire a un plan pénible, pour être surpris et que la partie bascule. Donc c'est pour ça, des fois, là en exercice, on peut se dire, bon, ça va, j'arrive à trouver les exos. La difficulté, c'est de régulièrement, dans votre méthode de pensée, de prendre ça en compte, de vous dire, tiens, avant mon coup, je vais me poser les questions. Il ne suffit pas d'anticiper les menaces tactiques en un. L'adversaire menace mat du couloir, ben je joue un petit coup de pion pour éviter. Ça va, c'est de la prophylaxie assez simple. La prophylaxie plus subtile, c'est ça, c'est d'anticiper aussi les manœuvres un peu plus stratégiques. Voilà, et à noter que même si la dame n'était pas là, cavalier D6, ce sera un beaucoup moins gros problème, puisqu'on pourrait au pire échanger le fou contre le cavalier. Exactement. On échangerait ce fou avant que le cahier devienne trop puissant. Bonsoir à Samir qui doit partir. Bonne nuit, à la Au revoir. prochaine. Et troisième exercice, je crois que c'est le dernier. Ouais. Oui, si je dis pas de bêtises, Le ouais. dernier, donc aux blancs de jouer. Qu'est-ce que vous faites avec les blancs? Non, normalement la connexion est stable. C'est peut-être de votre côté. Si vous avez une image floue, n'hésitez pas à mettre la souris sur la vidéo, à utiliser la petite roue dentée pour réduire la qualité. N'hésitez pas à réduire la qualité. Ça permettrait d'avoir une image plus nette. N'oubliez pas, réponse en deux parties. N'hésitez pas à dire quelle est la menace des noirs selon vous, parce que c'est comme si vous essayiez de résoudre un exercice côté noir, vous dire bah, tiens, avec les noirs, j'aimerais jouer ça. Et une fois que vous avez compris l'idée noire, vous allez plus facilement trouver le remède. Ah, d'ailleurs, je dis Alix, mais c'est certainement Nils qui se cache derrière Alix. En tout cas, beaucoup de bonnes réponses. Et Donc effectivement, on Alix a... qui est un peu au-dessus de la fourchette haute de cette masterclass. on a une autre réponse mentionnée. Effectivement, il y a bouger le fou pour jouer H4. Ça semble être aussi un coup candidat, hein, parce que quand on a un pion avancé en G5, on a envie d'aller pousser le pion à côté, H4, H5, pour créer des menaces supplémentaires.
Ok, il y a eu des C'est bon. cavaliers F3 avec les cavaliers D2. Nil s'est passé aux aveux. Il a avoué. C'est bien lui. Ou prend E5. Donc tour D1. Ah, ça on pourra en parler, c'est intéressant. Avant de donner la réponse, tu pourrais te donner la menace. Oui, effectivement. Des fois, je fais des évaluations à mes élèves où je leur demande de répondre en deux parties. Il y a certains fainéants qui me donnent pas la menace. Donc, je leur mets un demi-point en moins. Je leur Eh dis, oui, bah, normal. il y a deux réponses, hein. Il faut me dire quelle est la menace, même si tu connaissais. C'est incomplet. Comme un devoir de mathématiques où vous mettez la solution finale sans la démonstration. Alors, OK, donc c'est ouais, 6. il y a eu la bonne réponse qui était pas mal donnée. Donc la vraie menace des noirs, c'était fou prend. Donc si par exemple on joue fou F2, avec l'idée justement peut-être de H4, H5, il va nous éliminer. Le cavalier, donc on était sur un avant-poste, mais on se fait échanger. Et ben on prend. Et maintenant, il a un méga cavalier sur l'avant-poste et on peut pas, on peut plus l'enlever, plus l'enlever. On peut plus le contester, ouais. Donc, pour éviter ça, il fallait anticiper et il fallait reculer avec le cavalier. Pas toujours facile de reculer aux échecs. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que le cavalier blanc était bien sur un avant-poste. Malheureusement, cet avant-poste peut être justement, il est contrôlé. Et après l'échange, on est stratégiquement moins bien, clairement moins bien, voire décisivement moins bien, on va dire. Et là, reculer pour contester le cavalier noir qui finalement est plus menaçant, parce que le fou restant ne peut pas le contester, et ici, voilà, est quasiment obligé. Alors, votre position est toujours un peu moins bonne ici, mais ce n'est pas grave, vous évitez le pire. Alors, j'aimerais rebondir sur la possibilité tour D1. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu tour D1 proposé en anticipant fou prend E5. Donc oui, effectivement, on anticipe fou prend E5, mais on le fait quand même. Effectivement, on attaque sur D5, mais on a juste qu'à jouer E6. Et la menace, finalement, a été neutralisée et le cavalier domine bien la position. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce coup tour D1 anticipe bien, donc il y a une forme de prophylaxie, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, il y avait JP Chess qui proposait quelque chose d'intéressant. Il avait peur pour le roi noir, je crois. Alors, si j'ai bien compris ce qu'il a écrit. Alors, on va rebondir là-dessus, c'est sympa. Ça conclura ce chapitre. Donc, après D prend E, c'est une question supplémentaire pour les noirs. Qu'est-ce que vous faites avec les noirs pour défendre votre pion? Vous avez le choix, vous avez plusieurs coups pour défendre ce pion, mais il faut trouver le meilleur. Quel est le meilleur et pourquoi? Parce qu'on peut des Oui, fois pourquoi, donner le bien bon sûr, coup, mais pourquoi? On peut avoir de la chance. exact. Et aux échecs, si on prend en compte que la moyenne d'une partie, c'est peut-être 40 coups, ben 40 coups, on ne pourra pas jouer qu'avec de la chance. Au bout d'un moment, il y 40 a un fois de la moment où chance, là, c'est beaucoup de chance, là. voilà. Vous pouvez apprendre un peu de la théorie pour limiter, mais après, voilà. E6 parce que. Alors oui, E6. Alors E6, la structure, elle est jolie, effectivement, mais il peut y avoir d'autres raisons. Alors j'ai Donc beaucoup d'élèves espérons. qui font des trucs jolis et en général je les houspille. Hein. Je leur dis mais le Voilà. but des échecs c'est pas faire des trucs jolis quand même. C'est d'être efficace. C'est de faire des trucs utiles dans la position. Dame F7, nous avons. Donc quand ils font un truc joli qui sert à rien, je les félicite pour leur décoration. Mais voilà. Voilà. Je leur mets des points de décoration, mais en général ils sont pas très contents parce que ça leur fait une belle jambe. Alors, pourquoi E6? Personne n'a donné vraiment la réponse. Si, Fabrice, bien joué Fabrice, pour enfermer le fou. Et JP Chess aussi, sinon c'est les blancs qui font E6, bien vu. Voilà. Ah, Donc, voilà, si on ça fait fait Dame plaisir. C6, par exemple, hein, qui protège le pion, ça a l'air raisonnable, c'est effectivement les blancs qui vont sacrifier le pion avec l'idée que sur Dame prend, on va venir installer le fou sur la grande diagonale. Et là, on va pouvoir contester la domination du cavalier parce qu'on aura un méga fou. Très dangereux, on va essayer de le ramener peut-être en oups sur A1. Oula, bah décidément, Ça arrive. ça veut pas. Donc, et après, on va essayer de peut-être mettre la dame devant pour faire une batterie et commencer à créer des menaces puissantes. Et il aura du mal à bloquer cette diagonale. Ouais, et c'est bien parce que ça rebondit sur un truc qu'on mentionnait, le duel cavalier-fou. Le cavalier a tout fait pour avoir un super avant-poste, mais prenez toujours en compte aussi les plans de l'adversaire, ça marche dans les deux sens.
Les Blancs ont trouvé une manière de valoriser le fou, quitte à donner un pion, c'est pas grave, mais ce fou, maintenant, a du sens. Avant, il n'en avait pas. D'ailleurs, on peut éventuellement utiliser l'avant-poste avec le fou, même si c'est moins puissant qu'un cavalier, ça peut être fort quand même. Alors, Effectivement. oui, c'était précisé dans la parenthèse que le coup intermédiaire cavalier prend était risqué, puisque après cette suite de coups, on Voilà. va retrouver la thématique d'une précédente masterclass, le pion arriéré. Et là, voilà, les blancs qui vont sans doute doubler, et ça va être désagréable pour les noirs. Les pièces lourdes des blancs sont beaucoup plus fortes que les pièces lourdes noires, là, à ce moment précis. Malgré le pion de plus des noirs, c'est juste ça. Donc, donner le très bon cavalier, justement, juste pour gagner le pion ici, n'est pas une bonne idée. Voilà, je pense qu'il est temps de montrer le récapitulatif de ces deux chapitres sur l'avant-poste. Le voilà. Donc, premièrement, les cavaliers sont des pièces à courte portée, ils ont besoin d'avant-poste pour s'exprimer pleinement. Voilà, c'est vrai que les autres pièces ont d'autres possibilités, mais le cavalier, s'il n'a pas un endroit stable et avancé et qui vise des choses intéressantes dans la position adverse, c'est un peu dommage pour lui et il a un peu plus de mal à avoir une influence sur la partie. Donc, deuxièmement, savoir créer un avant-poste, s'y diriger puis le dominer augmente vos chances de voir apparaître des combinaisons. Voilà, c'est une fois que vous avez les cavaliers bien placés que vous pouvez les utiliser pour des combinaisons. On a vu plein de combinaisons dans le deuxième chapitre sur les maths. C'est vrai que si vous amenez pas votre cavalier à un bon endroit ou alors vous l'amenez à des endroits pardon, où ils peuvent se faire chasser ou échanger. Bon, ben, vous n'allez pas avoir votre pièce pour faire votre combinaison derrière. Et puis, par rapport au dernier chapitre, le troisième, votre adversaire existe. Eh oui, malheureusement, trop de joueurs ont tendance à oublier ça. C'est embêtant pour eux pendant leur partie. Il va essayer de faire ses plans lui aussi. Et c'est à vous de les trouver d'abord pour après voir si vous décidez de les empêcher ou pas. Et en dernier. Parfois, c'est seulement avec cette réflexion prophylactique, donc c'est la fameuse pensée prophylactique hein, de Dvoretsky, de Youssoupov, qui vous permet de trouver le bon coup. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, des fois, c'est très dur de trouver le meilleur coup d'une position. D'ailleurs, si on prend juste, vous avez remarqué dans les exemples que la prophylaxie avec ce nom un peu barbare, on remarque que ça peut être des fois assez simple, on va dire. Il suffit juste de penser, de se dire, ah tiens, je vais regarder un peu ce que menace l'autre. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, mais plus tôt vous penserez à ça, mieux ce sera. Voilà, donc on a été complet sur ces chapitres. On va terminer avec, il y en a qui disent, mais pourquoi c'est fini? J'aimerais bien que ça continue. Et je vois qu'il y a encore une centaine de personnes en direct. Donc merci à vous de suivre jusque aussi tard, puisqu'on se rapproche de 23h. Mais on a changé d'heure récemment. Donc en fait, ce n'est pas vraiment 23h, c'est plutôt 22h. Donc vous pouvez encore rester pour la fin, puisqu'on a le petit question-réponse qui était prévu. Donc si je remonte au niveau. Du sommaire et que je vous remets ce sommaire, et eh bien vous voyez qu'à la fin il y a le question-réponse. Donc toutes les questions que vous avez envie de poser à Antoine, on profite de sa présence pour faire un petit question-réponse d'encore quelques minutes, pas très long, mais quelques minutes. On va prendre quelques questions et Antoine va Alors, essayer d'y répondre. Donc ouais. Antoine, n'hésite pas à attraper Quel les club? questions au passage. Alors, moi je suis du club de Châlons en Champagne, mais je suis aussi président du club de Reims, donc je Double joue un casquette. peu double casquette. Et je Voilà. suppose que tu as encore un œil du côté de Bordeaux aussi. Et j'ai un œil du côté de Bordeaux où mon frère entraîne à l'ASPOM, du coup, ça a été mon club de cœur pendant longtemps, donc voilà. Allez, on va voir si on a des Club très choses sympathique d'ailleurs. à noter. N'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Alors, quelle est votre partie d'échecs préférée? Ouh, il y en a beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la partie short T-man avec une marche royale impériale fantastique. C'est celle-là qui me vient. Donc, voilà, elle est complexe, mais elle est très très belle. Donc, honnêtement, c'est un petit bijou. J'en ai d'autres en tête, mais là, c'est celle qui me vient en premier, je vais lui faire honneur. Si tu joues contre Carlsen, tu fais quelle ouverture? Bon, déjà, si j'ai la chance de jouer contre Carlsen, probablement, je jouerai un bon système de Londres, parce que je sais que c'est un spécialiste, et peut-être qu'il me filerait des infos sur une ouverture à la bonne. Je ne sais pas, et j'essaierai de
de tenir, mais bon, pas de jouer forcément pour la nulle, mais d'essayer de tenir et de lui poser des problèmes. Mais bon, après, on ne joue pas dans la même catégorie. Quel est mon vrai Elo? Mon vrai Elo, en ce moment, c'est 2340, 42, peut-être. À vérifier. Je pense que c'est dans ces eaux-là. J'essaie de remonter au-dessus de 2400, mais étant un peu un joueur à la retraite, c'est pas évident. Donc, je dois être efficace en interclub. Toujours plus dur pour les entraîneurs de faire monter leur classement. Alors, mon Elo, comment, quel thème stratégique utiliser? Ça va être une question. Je vais mettre C'est un difficile joker. d'avoir un joker. Avec l'expérience, ne pas hésiter à pas mal jouer sur Internet et avoir un coach efficace, on va dire. Mon livre préféré. Les livres de Silman sont très bien. Comment mûrir son style aux échecs? Bon, il y en a beaucoup qui ont pas mal joué pour moi. J'ai un livre plus récent que j'avais quasiment dévoré lors d'un tournoi que j'avais fait en Espagne. C'était assez amusant d'ailleurs. C'était en anglais Decisions, Positional Decisions Making de Gelfand. Quelque chose comme ça. Le titre est peut-être pas le bon. Il a été traduit en français. Pareil, il est loin d'être simple. Donc j'aurais tendance à diriger les joueurs débutants en fait de ce cours vers du Silman, Ouais. éventuellement comment mûrir son style ou encore le cerveau de l'amateur mis à nu, qui serait une très bonne lecture. Le franc-parler de Jérémy Silman est assez plaisant. Système de l'ombre, Antoine. Oui, effectivement. Non, c'est un bon système d'ailleurs qui peut être joué non pas pour faire nul, très solide, mais qui a de nombreuses idées efficaces. Tu seras là avant cet été. Est-ce que c'était pour moi ça? Alors, il Je y avait une sais pas. question curieuse de Niels. Est-ce que le cavalier mue sur la 7e ou la 6e rangée? Ah, ben ça fait référence à ce qu'a dit un peu Sylvain. En général, le cavalier, quand il vient en septième, c'est souvent qu'il a réalisé un thème tactique, une combinaison, une fourchette, par exemple. Sinon, stratégiquement, ce n'est pas l'idéal parce qu'il perd le contrôle de deux cases, on va dire. Quand il est en septième centralisé, il y a deux cases qu'il ne peut plus contrôler parce qu'il se rapproche du bord. Donc, en statistique, c'est la sixième rangée. Alors, à quel âge j'ai commencé les échecs? J'ai commencé les échecs à 5 ans. J'avais l'avantage d'avoir mon grand frère qui a appris les échecs et qui nous a appris par la même occasion. Donc, moi, j'ai suivi un peu le modèle de mon grand frère. Est-ce que... Attends. Alors, Antoine, 23-45. Ah, c'est bien, la communauté a fait le À travail de vérifier ton recherche. classement. Comment trouver des dates? Je suis un peu plus technique. Pourquoi est-ce que tu joues si souvent la Sicilienne, excepté le fait qu'elle soit horrible pour les adversaires? Alors, je joue la Sicilienne parce que c'est mon ouverture que je joue depuis longtemps. Après, bon, je suis quand même amené à changer parce que c'est une ouverture un peu assez théorique. Et quand on est à la retraite, on a moins de temps pour réviser. Donc, je vais devoir adapter mon répertoire un petit peu. Va bientôt se mettre à la Caro-Kann. J'ai joué un peu la Caro-Kann, mais la Caro-Kann, malheureusement, est très théorique. Quand je joue des adversaires plus de 2000 Elo, même avant, donc j'aurais du mal à retourner sur la Caro-Kann. quelle méthode? Après, tu me diras, hein, Sylvain, parce Oui. que Non, moi, mais je quelle peux méthode continuer. conseilles-tu pour un enfant qui veut Ouais. apprendre vite? Alors, quelle méthode? Ben, bon, déjà du temps, de la pratique, ça c'est important. Avoir de la théorie sans pratique, ce n'est pas génial, génial. Donc, il y a un outil qui est très bien. Il y en a de nombreux qui sont bien. Il y a chess.com. Moi, j'aime beaucoup l'e-chess, par exemple. Et ce n'est pas forcément la seule zone de jeu. Chess.com aussi. Après, j'en connais pas 36. Et du coup, pratiquer, pratiquer, ça c'est important. Jouer des tournois, c'est la manière la plus active pour un jeune d'apprendre. Parce que les cours c'est très bien, mais il faut que ça s'accompagne justement de pratique. Parce que faire que des cours, au bout d'un moment, ça peut être un peu fatigant. Certains jeunes ont des difficultés à avoir que de la théorie. Donc voilà. Je sais que certains de mes élèves qui sont un peu flemmards, ben, je leur conseille de dire, OK, bon, toi, tu as tout intérêt à aller faire des tournois, à jouer beaucoup, parce que c'est une manière active de progresser. Voilà, après ceux qui jouent déjà plein de tournois, rajoutez-vous autre chose en plus de jouer, parce que jouer, bien sûr, c'est très important, Antoine l'a dit, mais
Si vous voulez progresser encore plus, eh bien, faites du travail personnel. Voilà. Trouvez-vous des techniques d'entraînement. Si vous ne savez pas trop comment vous entraîner, demandez à des entraîneurs qui sont habitués, qui ont l'expérience, qui pourront vous donner plein de conseils pour vous entraîner. Si vous vous entraînez un peu tous les jours, 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Et puis quand vous avez plus de temps, si à un moment vous voulez vous faire une séance d'entraînement de 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà, si vous savez comment faire, si vous avez demandé quoi faire pendant ce temps-là, là c'est là où ça va être intéressant pour vous. Et peut-être une dernière. Ah oui, des vidéos de chaise 24. Si j'avais 2 fois plus de temps, j'aimerais faire des séries de vidéos. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de d'écrire une série de livres. Donc, je vais bientôt commencer ça, puisque c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord, ça va être des livres Donc, sur quoi? ça serait une série de répertoires. Ok. Une série de répertoires, du coup, voilà. Peut-être que vous serez amené à connaître ce travail-là. Donc, Ok, à suivre ça. ça prend beaucoup de temps. Donc, des vidéos, j'ai déjà été contacté pour essayer d'en faire, mais pareil, Ouais, ça voilà, prend du temps. entre l'entraînement, j'essaie de m'entraîner, la vie personnelle aussi. Donc, voilà, j'adore ce que je fais et j'essaie des fois de me lever tôt et les journées passent super vite parce qu'il y a plein de choses à faire. J'ai des élèves ambitieux, donc je dois aussi leur procurer du matériel efficace et voilà. Mais un jour ou l'autre, peut-être, je ferai une série de vidéos. Voilà, pour J'attends cette... Gustafsson me contacte et Svidler en personne. Je pense que Peter va bientôt t'écrire un mail. Hein. Ils suivent ce live, peut-être que Peter était parmi nous, donc s'ils suivent ce live, voilà. Peter Zwidler, l'appel est lancé. Antoine attend ton coup de fil. Voilà, il est confiné, donc peut-être qu'il a du temps, peut-être qu'il profite de la certainement, source. certainement. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait tous faire plus de choses, mais on n'a pas toujours le temps. Voilà. On En tout cas, entendait. bon, je suis ravi. Je voulais remercier du coup Sylvain et la FFE, voilà, pour finir un petit peu avec ça, parce que je suis ravi de cette collaboration. Déjà, on s'était vu avec Sylvain en championnat du monde, c'était chouette. On a échangé sur pas mal de sujets, donc j'étais très content de l'animer avec lui ce soir. Donc voilà. Bah, très très content moi aussi, réciproquement, j'aime bien ton travail d'entraînement, tu sais, je te l'ai déjà dit. Donc on espère que vous avez apprécié cette soirée d'entraînement. Voilà, donc on essaie de faire intervenir des nouveaux intervenants régulièrement, hein. Donc la semaine prochaine, ce sera Kevin Thérieux qui sera là pour la soirée. On a eu Romuald de la Baka la semaine dernière. On essaie de vous présenter en même temps des entraîneurs que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir, des entraîneurs qui ont aussi beaucoup beaucoup de travail de leur côté et qui parfois ont moins de temps pour faire des vidéos ou voilà ou présenter des choses Ça, sur c'est ou chouette, écrire ouais, des t'as livres, raison. voilà. Donc bah, on verra si jamais on a l'occasion, bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on accueillera de nouveau Antoine, soit cette année ou soit dans le futur si on a l'occasion. Merci à tous d'avoir suivi. Il y a eu beaucoup de monde ce soir. Le chat était en feu. Il y a eu énormément de participation. Merci à tous. Ça fait plaisir de voir une belle Ouais. participation. Effectivement, Maxime, tu as raison de le dire. Vendredi, ce sera la masterclass avec Sophie Millet, qui a été de très nombreuses fois championne de France. Donc vendredi à 20h30, à cette occasion, je peux vous remettre les rendez-vous de la fédération. Alors là, c'est vrai que ça a évolué très vite. Donc ça, non, c'est pas celle-ci. Hop, c'est celle-ci. Voilà, donc il y a encore une semaine, ça c'était le programme hebdomadaire de la fédération, la masterclass du lundi, le tournoi du mercredi, la masterclass du vendredi. Maintenant, il y a pratiquement des choses tous les jours. Donc suivez bien ce qui se passe du côté de la fédération. Je vais regarder pour conclure le programme de la semaine. Comme ça, je pourrais vous dire un peu plus dans le détail ce qui se passe. Donc demain, c'est pas officiel. Il y a des tests qui se passent pour faire des matchs par équipe sur un site. Vous en saurez peut-être plus tard. Mercredi soir, c'est le Blitz géant 3 plus 2 à 20h30. Le mot de passe, c'est toujours je reste chez moi. Jeudi, une nouveauté. La semaine dernière, il y a eu un tournoi de boulettes en 2 plus 1. Mais cette semaine, jeudi à 20h30, ce sera du 960, du random, Fischer random, en 4 plus 2. Voilà, donc toujours sur l'e-chess. Vendredi, on l'a dit, la masterclass avec Sophie Millet. Et samedi, une simultanée pour ceux qui veulent affronter un champion en simultané.
Le nom n'est pas encore dévoilé, il le sera plus tard dans la semaine. Et dimanche, encore un tournoi, voilà, tous les jours pratiquement, quelque chose de proposé par la fédération. Un 10 plus 3 pour ceux qui veulent un peu plus de temps pour réfléchir, c'est à 14h. Et c'est toujours je reste chez moi, le mot de passe sur l'e-chess. Vous avez toutes les infos sur le site de la fédération. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description. J'en profite pour vous redire ce lien qui est dans la description aussi, où il y a toutes les masterclass de la fédération. Donc il y en a bientôt maintenant une vingtaine. Ça vous fait une quarantaine d'heures de vidéos avec à chaque fois des exercices, la base en PSGN pour ceux qui veulent travailler. N'hésitez pas, vous avez de quoi faire. Non, non, alors Thomas, ce ne sera pas toutes les semaines Marc-André qui fera la simultanée. Hein. Il a fait la semaine dernière, mais on va Il changer doit un se peu. reposer un peu. Ouais, quand même. Hein. On va pas lui demander toutes les semaines de faire une simultanée. On le remercie de s'être prêté au jeu. Il a fait ça vendredi dernier. Merci à lui, le grand espoir français, un des grands espoirs français. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Antoine. Merci Sylvain, merci à tous. Très heureux d'avoir suivi tout ça et merci aux internautes, bien sûr. Bonne soirée et rendez-vous pour les prochaines soirées FFE à partir de mercredi soir. Le Blitz, c'est géant. Bonne soirée à tous, à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit.